Déjà, on va pas mettre la. Ah, je me casse. Ah, je me casse. Et moi, je suis venu pour les Batman. Bon, eh bien, bienvenue les copains. On va jouer avec le pack d'intro de Batman Gotham City Chronicle, le jeu de rôle Kickstarter, donc qui va sortir dans pas longtemps. J'ai la Monolith m'a fait la gentillesse de m'envoyer plein de trucs pour mettre à l'image, qu'on verra peut-être pas, on verra. Hein. Et ils m'ont donné plein d'images, plein de trucs. Ils sont très sympas, voilà. Et évidemment, j'ai kickstarté le truc. Bah tiens. D'ailleurs, donc on verra quand ça arrivera, mais voilà. Et donc, on va jouer avec le kit d'introduction, mais pas le scénario du kit, hein. J'ai fait un scénario. Et je vous ai donné des personnages, et on va jouer avec ça, en avant-guingant. Donc des personnages du kit, hein, puisque... C'est une vidéo que personne n'aura jamais vue. Mais une histoire complètement, originale. Oui. C'est ça que je cherchais. Donc, Christian, donc toi tu vas jouer Alfred Pennyworth. Oui. Pennyworth. Jules, tu vas jouer Harvey Bullock. Ouais. Et Olive, Dick Grayson, alias Nightwing. Cette équipe improbable. Et, je te cache pas que pour mettre tout ça ensemble et que ça fonctionne, bon, on verra bien. Donc on va jouer pour voir ce qui se passe, hein. D'accord. Moi j'écris des trucs, mais c'est vraiment des bases. Après, On se démerde. On se démerde, hein. On verra bien. On verra bien. Donc. Excuse de flemmard, ça. Petit rototo. Alors. Liberté totale, les gars. Donc nous allons jouer dans Gotham City, bien évidemment. Donc Gotham, vous connaissez la ville, hein. Vous l'avez. Tout à fait. Je suis allé plusieurs fois. Oui, bien évidemment. Oui, très bien. Comics, films, il y a différentes versions. La version dans laquelle nous avons joué est un Gotham qui se rapproche un peu du Gotham de Tim Burton, je dirais. Ah, dans gothique. Une des meilleures versions. Ça me plaît. Donc un titan de béton et d'acier, sinistre, en proie au crime. Et sous le regard sévère de visages colossaux sculptés dans la pierre, le crime grandit. Mais heureusement, les justiciers sont là, dans l'ombre, bien évidemment. Nightwing, Dick Grayson, plus en communication avec Alfred, bien évidemment. Des hommes de Cobblepot ont été aperçus près de Port Adams, numéro 33 sur le plan, si vous voulez voir où ça se situe. Port Adams, ici. Tout à fait. Oui, à part forcément sous bord de l'eau, je suis content. Tout à fait. Monsieur Wayne, qui a dû s'absenter. Ah, forcément. Il a dû s'absenter, les raisons personnelles. Il est sur un tournage. Ah, il est sur un truc très important, monsieur Wayne. Pense que les hommes de Cobblepot mijotent quelque chose, et en attendant qu'ils reviennent, il vous fait confiance pour découvrir de quoi il s'agit. Nightwing, tu es donc sur un toit, à une vingtaine de mètres, et la nuit. Il pleut, on est dans un automne assez pluvieux là sur Gotham. Il fait 4 jours de pluie d'affilée. Et en haut de ce toit, tu aperçois en contrebas un entrepôt frigorifique, apparemment. Il est situé sur les quais, qui a été forcé, et plusieurs hommes sont en train de sortir des fourgonnettes de cet entrepôt. Et tu es en liaison avec Alfred, qui lui-même a accès à une technologie de pointe. Par l'intermédiaire de la Batcave. Tout à fait. Je l'ai raté. Moi je te couvre, j'ai une caméra, j'ai tout comme ça. Que faites-vous ? Alors je suis sur le toit. Et Harvey, il est pas là. Ah non, pour l'instant t'es juste en communication avec Alfred sur un toit. Harvey Bullock, il est pas là, on sait pas où il est. On regarde la bouteille de bière, toi, ça aurait été roleplay. Oh, oui, roleplay. Ah ouais, mais je l'ai fini, il m'en fout. Grim. Tiens, je te filerai une Grim. Donc en contrebas, tu vois des hommes qui sortent effectivement une fourgonnette, deux fourgonnettes. L'entrepôt semble avoir été forcé. Il fait nuit, il y a juste quelques lumières du port qui balayent alentour. La pluie très tenace. Le ciel qui reste lumineux parce que Gotham est une ville tellement lumineuse avec des bâtiments gigantesques, des projecteurs et des lumières dans tous les sens, qui fait que les nuits sont très éclairées à Gotham. Donc malgré les nuages assez bas, la pluie assez dense, tu arrives à deviner les silhouettes de ces hommes cette partie-là du quai qui est essentiellement composée d'entrepôts, dans lesquels effectivement les entreprises du secteur de Gotham entreposent leurs marchandises, font partir des bateaux, voilà. Donc une partie assez, pas touristique, hein, évidemment, des quais de Gotham. Où je suis, je vois le nombre de personnes. Trois fourgonnettes. Trois fourgonnettes. Six individus. Six individus. Ouais.
Ouais. 6 individus en avec capuche, les chauffeurs. Encapuchonnés, ouais. Il y a 6 personnes en tout. Il y a effectivement de ces 3 fourgonnettes, il y en a 3 qui restent, qui sont apparemment au volant, enfin 2 qui sont au volant du véhicule. Et le reste, les 4 autres, qui sont en train de décharger des caisses, des camionnettes qui viennent de sortir de l'entrepôt. D'accord. Et tu vois que ces caisses, ils les amènent au bord du quai et ils les balancent directement dans la flotte. Ah oui. Oh. Des caisses, qui font à peu près cette taille-là. Donc là, je suis sur le toit. Sur le toit d'un entrepôt voisin. On ne te voit pas. Je suis tapis dans l'ombre. On aperçoit juste une silhouette noire avec un liseré bleu de temps en temps quand une lumière balaye le secteur. Donc je décide de m'approcher. Ouais. Attends. Ah, peut-être. Demander conseil. C'est satellite et tout. Oui, Alfred, il peut avoir pas mal d'infos. Hein. Fais-nous rêver, t'as vu plein de trucs allô, sur Batman. Alors, Alfred. Tu me dis, ouais, je fais ça, je te dirais. Moi, je suis arrête de te de ma gueule. Moi, je suis la personne qui va t'apporter des informations, il faut que tu me poses des questions. Alfred, s'il te plaît. Monsieur Grayson, est-ce que tout se passe comme vous le désirez? Écoutez, il pleut. Je suis tout mouillé. Mais grâce à vos yeux, aux écrans, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire par où passer sans être aperçu? Je me suis connecté au système de caméra publique du quartier, en effet. Effectivement, en te connectant au système de caméra, tu arrives à identifier cette zone-là. Et tu as des caméras qui te permettent d'identifier vraiment l'endroit où sont positionnés ces véhicules, et tu aperçois le manège de ces hommes qui sont en train de sortir des caisses qui étaient à l'intérieur des camionnettes qui ont été sorties apparemment de l'entrepôt, qui sont devant le parvis de l'entrepôt. Hein. Et première chose qui t'alerte, c'est que effectivement la porte de l'entrepôt est ouverte. Mmh. Pas d'alarme, silence total, et les hommes n'ont pas l'air de se presser outre mesure. Et ils déchargent les caisses, et à deux, ils prennent les caisses et ils les déversent dans le port. Très bien. Ils vident comme ça un camion, un deuxième, sont lancés dans ce manège-là avec les camionnettes qui sont non loin des quais et des bords de quais. L'activité est essentiellement concentrée à l'entrée de l'entrepôt. Je ne saurais trop vous conseiller d'essayer de trouver une entrée annexe autour, en hauteur par exemple. Mmh. Je n'arrive pas très bien à voir, les camionnettes sont logotées, mais avec la pluie, pas très simple de... Ça vaut mieux voir comment ça va. Par le biais d'une fenêtre, tu pourrais t'infiltrer. Tu essaies de t'infiltrer dans l'entrepôt ? Dans l'entrepôt. Ok, très bien. Alors tu vas me faire un jet, donc, pour t'infiltrer dans l'entrepôt, de dextérité, pour te montrer le plus discret possible, et moi, je vais faire un jet en opposition, sachant que ce jet-là... tu bénéficies, toi, de conditions climatiques très favorables. Hein. Il fait nuit, il pleut... Pendant qu'il essaie de s'infiltrer, j'essaie d'obtenir sur mon ordinateur les plans de l'entrepôt. Tout à fait. Tu télécharges les plans de l'entrepôt. Pour pouvoir le guider à l'intérieur. D'accord. Tu as récupéré les plans de l'entrepôt. Mmh. Alors, tu as fait combien ? 15. 15, très bien. Tu arrives à t'avancer près de l'entrepôt, tu arrives à hauteur d'une fenêtre qui est suspendu à l'équivalent du premier étage, qui est l'étage des passerelles d'acier et des bureaux préfabriqués, et en contrebas, tout l'espace hangar. Là, tu as un des hommes de main que tu aperçois descendre une des passerelles. Hey, les gars, n'oubliez pas que le patron a demandé à ce qu'on lui ramène une caisse pour sa consommation personnelle. Activez-vous, bordel! J'essaye de me rapprocher près d'une caisse de cette cargaison pour D'accord. identifier ce qu'ils sont en train de... À l'intérieur de l'entrepôt, tu identifies des logos Flint's Fish. F-L-I-N-T-S, enfin F-L-I-N-T-S, Fish. Et les camionnettes sont logotées de la même manière. Effectivement, une odeur de poisson très forte te prend au niveau des narines. Et tu aperçois encore quelques camionnettes et des caisses remplies effectivement de poissons et des gros frigos en contrebas, chargés sûrement de maintenir ça à température pour la livraison du lendemain, après la pêche, sûrement de la journée. Vous pouvez me faire une recherche de logo ?
Je vois à travers ses yeux ou pas comme avec Batman? Tu peux voir à travers ses yeux, si tu le souhaites. Donc j'essaie de voir le logo qui tu identifies lui-même. Le logo, effectivement. Fais-moi. Je suis pas équipé d'une petite caméra, d'un truc. Si, tes yeux, par l'intermédiaire. En fait, tu fais basculer une espèce de petit filtre devant ton masque, là, et ça lui permet de voir au travers. Lentille. Exactement. Donc, fais-moi un petit test d'intelligence. Intelligence. Il n'a pas fait très très intelligence. Hein. Non, il est pas très. Il est sur la fin. Rien. 19. Très bien. Alors, les informations que tu obtiens, c'est qu'effectivement, logo donc de Flint Fish, il s'agit tout simplement d'une entreprise qui appartient à monsieur Flint. Je suis sûr qu'on va trouver des liens bizarres. C'est une succursale qui a été rachetée en 1992. Non, tout à fait. Alors, il s'agit d'un groupe de père en fils qui travaille dans la pêche et la livraison de poissons frigorifiés dans les mers de Gotham. De poissons dans les mers de Gotham. Tout simplement. Rien de particulier. Une société de pêche, tout ce qu'il y a de normal. Certainement une société écran, mais... Avec les informations dont je dispose, je ne saurais trop me prononcer. J'ai téléchargé le plan afin de vous aider à vous diriger à l'intérieur de l'entrepôt, si vous le désirez. Très bien. Donc, si tu veux te diriger dans l'entrepôt, tu auras des bonus à tous tes jets de déplacement et de discrétion parce que tu as les plans. Donc, tu ajoutes plus 5 à tous tes jets de discrétion pour te déplacer dans l'entrepôt. L'autre droite, monsieur Lesser. L'autre droite, monsieur Lesser. Donc, on a vu la caisse. J'ouvre une caisse, j'essaye d'ouvrir une caisse discrètement. D'accord. Pour voir ce qui s'y cache. Tu continues à t'avancer sur la passerelle du haut. Là, effectivement, tu as un des individus qui sort du bureau et qui a récupéré des jeux de clés. Et il entame d'aller sur la passerelle. Toi, tu restes dans l'ombre, tu es au-dessus de lui. L'observes se déplacer, il continue son chemin, descend de la passerelle, invective un des hommes en bas pour lui lancer les clés d'une des fourgonnettes. Ah non. Je pourrais intercepter ces clés. Non, ah, tu pourrais. Aucun intérêt. Sinon, il y a quelqu'un. Ça flague la tête. Ça serait très classe. Bah, je lançais des clés. Quand tu peux éventuellement suivre dans l'ombre celui qui a les clés. Bam, l'assommer. Ouais. Il est en train de revenir au bureau après avoir jeté les clés. Il est seul. Il retourne au bureau. Vulnérable. Je vais me taper celui qui a lancé les clés. Qui retourne dans le bureau. D'accord. Très cher. Il arrive à ta hauteur. Toi, tu es à environ à 4 mètres au-dessus de lui. Sur des passerelles métalliques. Des poutrelles qui sont sur le toit. L'armature métallique sous le toit de tôle de l'entrepôt. Alors, je vois que j'ai des grenades paralysantes. Mais est-ce que la grenade, c'est une grenade qui fait du bruit? Oui. C'est une grenade, c'est pas un truc discret. Tu mets un coup de bâton, t'as des bâtons là. J'utilise mes bâtons d'escrime pour le. Pour la nuque là. Mais... Allez, bah tu décides de faire. Tombe sur lui, fais-moi un jet d'attaque avec tes bâtons d'escrime. Attaque au corps à corps. Tu le surprends, tu ajoutes un plus 5. Plus 13. Oui, non, mais c'est ton attaque. Ça, c'est... Ah oui, plus 13. Oh la vache. Assurance, parce que t'as celui qui est le plus balèze en combat. Hein, donc nous, il a plus 13. Oh, j'ai limite. Hein. Ouais, 9 plus 13. 9 plus 13, 22. On fait pas buter, on aura besoin de toi. Après. Tu atterris sur l'un de ces hommes, effectivement, celui qui est sur la passerelle. Tu lui tombes dessus et d'un coup de bâton, tu l'assommes. On entend un petit arc électrique. Il tombe sur le sol. Duke ! Qu'est-ce que tu manges, Duke ? Rentre dans le bureau. Et ils continuent à faire leur petit ménage. Hâtez-vous, les gars, bordel ! Le patron va pas nous attendre ! Hâtez-vous ? Hâtez-vous ! Ça parle bien, hein ? C'est vrai, c'est vrai. Roleplay à côté, roleplay. T'as raison. Bougez-vous le cul, on va la faire. Bougez-vous le cul, les gars. Donc, je prends le corps, je l'amène avec moi dans le bureau. D'accord, tu glisses dans le bureau. Je glisse dans le bureau. Dans le bureau, je file. Chose intéressante. Des contraventions non payées. Ah, ça m'intéresse. Et sinon, rien de particulier, des photos de famille, sûrement le Flint en question, enfin en tout cas le gestionnaire de l'établissement. T'as un ordinateur principal, essentiellement, avec pas mal de post-it,
des bordereaux, des cahiers de livraison, des documents comptables, des classeurs facturiers. T'as pas la Fred, est-ce qu'on pourrait se connecter à cet ordinateur? Si vous pouviez me donner l'adresse IP, que je me connecte. Donc tu te branches à l'ordinateur. Je te branche à l'ordinateur. Petit pour IP. Essayer de trouver, Tu te branches à l'ordinateur très facilement, Alfred, sans que fasse de G. Tu arrives à rentrer dans cet ordinateur qui a une sécurité lamentable. Il y a Windows XP. Tu ne remarques rien de spécifique, si ce n'est quelques navigations sur des sites peu recommandables de fidélité. Pas de transactions, de carnet de compte. Pas de transactions particulières, si ce n'est un signalement au GCPD du vol de deux camionnettes. Ah. Il y a une semaine de cela. Il y a combien de camionnettes dehors, là ? Et là, il y en a trois qui sont sortis d'entrepôt. Sur un des entrepôts. Le planning, tu arrives à télécharger, tu en profites, le planning notamment des ouvriers, des livreurs. Voilà, et après... Et donc leur nom ? Voilà, leur nom. Tu peux télécharger d'autres documents si tu les juges intéressants. Tu as accès aux documents comptables. Bon, rien d'intéressant. Documents comptables, oui. Mais il n'y a rien qui t'alerte, en tout cas. Oui, sur le coup, des pièces administratives, tout à fait classiques. Pour pousser un peu plus l'investigation, pour voir s'il n'y a pas des... Tu peux récupérer ces pièces-là. Donc je sors du bureau, je me dirige vers les camionnettes. D'accord. Et j'essaye discrètement de monter. On monte dessus ou est-ce que je me glisse dessous pour suivre et savoir à quel endroit ils vont? Bah c'est toi le supérieur. Non mais je réfléchis. Ah mais tu peux échanger avec Alfred par communicateur. Oui, j'ai rien, on n'a pas un petit GPS, un petit truc à balancer. T'as forcément ça, t'as forcément un bata GPS. Non, j'ai pas. Un petit truc aimanté. C'est vrai. Là, avec la grosse lumière. Je vois que tu l'as pas dans ton équipement, mais si tu veux, on va dire que tu l'as. Allez, ouais, tu l'as. Tu peux mettre un traceur sur un des camions, mais pour ça, il faudrait que tu t'approches. Mais là, c'est beaucoup plus périlleux parce que, évidemment, ils sont autour du camion. Ils sont autour du camion. Donc... C'est une grande cour. C'est une grande cour. Ce sera plus facile sûrement de le faire à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entrepôt. D'accord. Donc, bon, ils éclairent cela dit avec des lampes torches à l'intérieur. Donc tu as un éclairage, juste les éclairages de sécurité de l'entrepôt. Et eux s'éclairent avec des lampes torches. Donc je décide, j'attends. J'attends qu'ils chargent complètement la cargaison pour essayer de... Alors, t'attends qu'il charge la cargaison, t'as un des hommes qui s'approche sur le côté de l'entrepôt, tu vois un berger allemand, et il dit « Allez, Roxy !» Il le caresse, et il monte dans l'un des camions. Et donc, toi, les camions sont là, et tu vois que le chien, effectivement, lui, en t'approchant, enfin, tu sais pas quelle réaction il peut avoir. Ouais. C'est gentil. Tout ça. Ah, ouais, tout. De bâton escrime. Bad snack. Après tu peux le lancer ton traceur. Sur le cul du chien. Donc là ils sont tous remontés dans le véhicule. Ils sont tous. Alors le soit tu t'approches et tu peux le mettre peut-être caché sur le véhicule. Difficilement localisable, par exemple dessous, mais ça mérite d'approcher, sachant qu'il y a un chien en bas. Ouais. Soit tu le fais de loin et tu l'envoies sur. Il est monté sur la carrière du véhicule. J'essaye de le lancer comme. Non, t'es un super héros. Non, je le lance. Tu le lances ? Je le lance. D'accord, t'essayes de le lancer sur quelle partie du véhicule ? À pare-brise. J'essaye de viser le pare-choc arrière. Pare-choc arrière ? Ok. Allez, alors tu vas me faire un jet de tir pour lancer ce batarang sur le pare-choc arrière. Ah, c'est quand même tendu, je vais regarder là sur la piste des difficultés où c'est qu'on va se situer. Ah, et c'est du 20 quand même. C'est des camionnettes. Je suis à combien là ? C'est du 20 plus. J'estime que je suis à combien ? C'est du 20 plus, j'estime que t'es à 15 mètres. Ah ouais. Moi, je de 5 mètres, alors. Non, mais t'as raison. Tu te rapproches 5 mètres, ok. Donc, tu veux te rapprocher pour avoir une chance de réussite. Bien sûr. Par contre, tu me refais un jet, du coup, de discrétion. T'as combien, 15 mètres ? Ou large ? 20. Très bien. 20, naturel ? Non, 15 plus 5. D'accord, très bien. Bon, t'arrives à t'approcher, effectivement, à une distance plus rapprochée du camion, plus raisonnable. D'accord. Bon, là, je lance. Vas-y. Mon traceur. Fais ton jet. 17. Donc t'es à 15 plus mètres. 9. Plus 9, pardon. Voilà, t'es à portée normale pour ton batarang, il y a marqué. Combien ? Hein ? 10 mètres. J'ai 15 mètres, il s'est approché là.
Non, mais il était à 15 mètres avant. Ah oui, j'étais à 15 mètres. Ah, mais tu t'approchais à 10. Je lance même pas, déjà le point. Les gars, ça va. Non, t'es à 10 mètres. J'ai avancé de 5 mètres. Ok, voilà, très bien. Voilà. Donc là, il a fait 17 plus 9. 17 plus 9. Ok, on va passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Large. Vous recevez bien le signal. Le signal est actif, je suis connecté. Très bien, effectivement, le signal fonctionne. Et pour l'instant, on est à toi. Harvey Bloch, quant à toi. Tu viens chercher Martha Baker. Ce soir, assez tard, elle va finir son service. Tu viens la récupérer au dîner, le Josie's. Tu vas chercher Martha Baker pour un dîner romantique, le premier depuis des siècles. Petite relation, on n'en est pas encore au haut, hein, d'accord ? C'est-à-dire que c'est vraiment, à force, toi, on se demande à quel point, comment t'as fait pour qu'elle s'intéresse à toi. Mais le fait est... Je t'attendais. Notre ami Bloch se retrouve... Rendez-vous coquin. Je me suis fait classe quand même. Hein. Ouais. J'ai mis un imper propre. Voilà, t'as mis un imper propre. J'ai mis un imper propre. Exactement. Donc, dans ta vieille chèvre, là, un vieil modèle de Gotham, là, tout pourri, dégueulasse, là, tu viens récupérer Martha au Josie's. Tu te rends tranquillement au rendez-vous. C'est très pluvieux, beaucoup de circulation à Gotham. La nuit. À la radio, tu entends des infos. Important blocage ce matin à l'angle de Bedford et de Street Yard. A retardé de nombreux travailleurs du City Hall District. Pour cause, le retournement d'un véhicule frigorifique en travers de la chaussée. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le conducteur s'en sort avec une simple fracture du poignet. Cinquième jour de pluie pour Gotham. Et selon les prévisions, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. N'est-ce pas, Cassie ? Alors, ça va être à Cassie qui débarque. Blonde culturelle avec une poitrine. Bombe atomique. Effectivement, Clarence. Clarence, beau gosse. Hein. Bien coiffé, Big Jim, beau présentateur du Gotham, Gotham News. Là. Aussi, la prochaine rencontre de Gotham Knights au King Knight Stadium risque d'être reportée. Sans transition, retour. Hop. Tu prends la radio, tu viens d'arriver devant le Josie. J'ai une radio 3D, alors, en fait, avec affichage, parce que je pouvais savoir que la blonde était. Comment ça ? Non, laisse tomber. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais tu la connais. Oui, je la connais, je la regarde tous les jours. Oui. Ah, moins un, t'as tenté de piéger la vie quand même. T'es une petite salope. Moins un, toi, je passe pour un con devant des millions de personnes. Non, mais je me dis, j'ai peut-être un écran de télé dans ma bagnole. Ouais, non, mais décrédibilisation, moins un. Ah, mais c'est bien, t'as attendu qu'il est fini pour le dire. C'est vrai, il a mis sous les images dans la tête. J'étais vrai, t'imagines, tu l'entends, tu vas dans ta tête. Plus un pour Christian. Merci Christian. C'est Alfred. Ah, il est fort. Il est fort. Il est milliardaire. Donc, tu arrives devant le dîner. Effectivement, tu vois Martha dans sa petite tenue officielle dîner, n'est-ce pas ? Très peu de clients, apparemment. Tu vois à travers la baie vitrée. J'ai rendez-vous au dîner avec elle. Oui, oui, je viens la chercher au dîner. En fait, tu viens la chercher au dîner. Elle est au courant hein, que tu viens la récupérer. En général, tu arrives un peu avant la fin de son service. Et puis voilà. Ah oui, elle bosse au dîner. Voilà, elle bosse au dîner. Oui, pardon. Non, voilà. Elle bosse au dîner. Tu viens la récupérer. Parce que le mot n'a pas été clair. Et donc, tu viens la retrouver au dîner. Tu rentres à l'intérieur. Tu aperçois Martha. Alors, il fait très froid dans le dîner. Ils ont réglé la clim à Toco. C'est pas. Voilà, mais un peu friscote, presque plus froid que ça. Pour éviter la transpiration des héros. Sûrement, tout à fait. Tu t'installes pour prendre un café tranquillement. Petit sourire complice avec Martha qui a repéré ta présence. L'établissement est complètement vide. Il reste un client, au fond, emmitouflé dans un grand manteau à capuche, avec des mitaines. Et il a l'air un peu recroquevillé sur lui. Espèce de hobo là dans le fond. Martha, dans combien de temps t'as fini ? Oh, dans pas longtemps. Je termine, je pense, juste ce client et ensuite on pourra y aller. Moyen d'avoir un petit truc à boire le temps d'eux. Je t'amène ton café. Ah, je te remercie. Donc, et... Josie, il faudra faire venir le technicien. J'arrive pas à éteindre cette foutue clim, il gèle. Celle à côté du hobo. Elle s'échange de petits mots. Et t'arrives à hauteur du hobo. Alors. Ça ferait chelou, tu peux le faire, hein. Mais toutes les tables sont libres. Oui, mais le but c'est de savoir un peu qui c'est ce mec. Même en rendez-vous gars, il lâche pas l'affaire le mec. Oh, t'as le droit. Donc tu t'installes à côté du hobo, effectivement. Il fait encore plus froid. Ah putain. Ça le tend ces derniers jours, hein. Aucune réponse. Josie arrive
Oh, je le sentais pas. Putain, le café. Oh putain, mais le café, je le sens pas. Vous essayez de briser la glace, inspecteur. Freeze. Josie, non, Martha arrive à hauteur du client. Elle amène ton café, elle arrive à hauteur du client. Et le client lui demande un thé bien chaud. Une voix un peu sombre. Très calmement. Quelle occasion, dites-moi. Il répond pas davantage. Mais comme tu es à côté de lui, tu aperçois des visions beaucoup plus précises sur l'individu. Il est vêtu d'une veste sans âge. Donc, on pourrait penser à un sans-abri. Hein. Si ce n'est qu'il ne dégage pas d'odeur particulière ou autre. Par contre, le bout de ses doigts semble sombre. Écrosé. Ouais, assez noir. Bon, on jette. Elle lui amène effectivement... Non, il a demandé un thé. Un thé chaud. Donc, Martha arrive, petite coupelle, elle pose la théière. Attention, monsieur, c'est bouillant. Il s'empare de la théière. Putain, mais sois un bon, toi. Directement dans la théière, et il la pose comme ça. Ça quand même bizarre. Et Martha semble être un peu interloquée. Du bagarre. Josie la libère pour la soirée. Et elle revient à ta hauteur. Que fais-tu pendant ce temps-là? Tu vois qu'elle est en train d'enlever sa tenue pour te rejoindre. Elle remet sa veste. Ouais, c'est pas net. Et puis le mec, quand même, c'est un vieux roublard de la police. Il sait quand même que les mecs ils sont un peu chelous. Il demande à ce qu'on lui en serve un autre. Josie, la patronne de l'établissement, libère Martha et lui dit qu'elle va s'en occuper. D'accord. Mais elle lui donne sa soif. Martha, attends-moi dans la voiture. J'ai deux, trois petits trucs à voir avant et je te rejoins. Du coup, je mets la main comme ça. Tu vois qu'elle te regarde, elle regarde l'homme à côté et dans son regard, tu sens du... Pas ce soir. Fais ce que tu veux. Tu risques de te la mettre derrière l'oreille. Mais bon. Ah, qui tu vas mettre à coup de trick ce soir? Je te dis sa réaction. Tu fais ce que tu veux. Elle s'en va à la voiture d'un pas un peu excédé. Pour un premier rendez-vous, tu sens que c'est pas... Le boulot. C'est louche. Mets la main comme ça ce soir. Et je lui mets un traceur. Et de l'autre main, j'humidifie un peu. Ouais. Tu mets la main comme ça? Ouais. Au moment où tu poses ta main, il fait « Ne touche pas, lève ta main !» T'as retrouvé l'usage de la parole, mon gars. Donc il se lève excédé. Et il s'avance près du comptoir. Il pose sa main comme ça, sur le comptoir. Il y a de la buée qui apparaît sur le comptoir. Ouf. Mon pétard. Madame, servez-moi un autre. J'étais bouillant. Rosie, reste à l'écart. Mec, je le mets en joue. Montre ton visage. Écarte-toi du comptoir. Et quand silence même s'installe, il ne bouge pas. J'avais quand même mon arme de service sur moi, hein. Bonjour. Tu me bloques. Oh, voilà, putain, il est où? Il y a des balles, ouais. Je le répéterai pas deux fois, mec. Écarte-toi du comptoir. Il prend la fuite et saute à travers la baie vitrée. Oh putain, réflexe. Je suis pas équipé pour. Est-ce que tu veux tirer? Hein? Est-ce que tu... Bon. Si je peux, j'ai... Ouais, si je peux, ouais. Ah, je tire. Le GCPD, a priori, il a rien fait de... Dieu, mais... Il a de la buée... Fais comme Dieu, mais bon, le... Des fuites. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il fait volte-face et se prépare à bondir à travers la baie vitrée du dealer pour prendre la fuite. Alors, tu vas me faire un tir. Tu es à... Pas loin, t'es à 10 mètres. Je suis pas trop... Putain, c'est une sacrée dealer, ton truc. Ouais, allez, ça va. 6 mètres. C'est un gros dealer. T'es à 6 mètres. Allez, on y croit. C'est une cible en mouvement. Moins 5. À toi de calculer, maintenant. Des avantages de tireur? Non, j'ai pas de désavantage de tireur. Par contre, j'ai des armes à distance. J'ai pas de pénalité. La ligne de vue est encombrée, mais ça compte pas. Ça, c'est simple, joli coup.
Et voilà. Compte pas dans le cas où le mec il se déplace encore à là. Moi je t'annonce juste un bon moment. Il faut que tu vis ça, tu vas perdre du temps. Ouais. Voix du corps à corps, voix des trucs. Voix supplémentaire, non après c'est tout ce qui est analyse, etc. Non, bah c'est. Donc bah, plus 5 du coup. Sauf que j'ai un moins combien ? Moins 5. Moins 5, donc c'est un G de base sur mon truc. Et difficulté combien tu m'as dit ? Tu n'as pas dit de dire. Ah, il n'y a pas de difficulté. Si c'est, ça dépend. Tu fais ton G de tir normal. Oh ! Tu fais combien ? Tu tires dans le tabouret, non, 7. Ok. Tu tires dans la baie vitrée, malheureusement. Il saute à travers la baie vitrée, atterrit de l'autre côté et il prend la fuite. Ok, bon, je vais à la bagnole du coup. Ok. Et bon, je. Allez, Martin, quand tu vas. C'est pas ma journée. Allez. Quand tu vas dans la bagnole, tu vois qu'il s'est engouffré dans ton véhicule, dont la portière était restée ouverte. Ah putain. Martin était rentré à l'intérieur, il s'est engouffré dedans. Mais il est. T'entends ? La voix de Martha qui hurle. J'essaie d'aller au plus vite et d'essayer d'intercepter. Ah, t'es gras, mon gars. Eh oui, je sais. T'es gras, mon gars. C'est pour ça que j'ai dit que j'essaye d'aller au plus vite. Ok. J'ai pas dit que j'allais au plus vite. Donc, tu veux faire un jet d'athlétisme ? De suite, de suite. Pourquoi tu utilises des mots violents comme ça ? Athlétisme, ouais, c'est compliqué. Constitution. Ma constitution. Ouais, voilà, ouais. Ça va mieux, tu vois. Ouais, ouais. À cause de ta corpulence, tu vas jeter 2 dés et tu gardes le plus mauvais. Le 3. Ah, donc. Dommage. Ouais, avantages, mais. Ah oui, le 3, enfin, donc ça fait 5. Ok, donc tu cours en direction de la voiture. Et effectivement, sous l'hurlement, la voiture démarre. Vous avez vu la voiture ? Vous avez vu le conducteur ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, ben, j'ai ma radio, j'ai quelque chose. Ah, t'as ta radio, t'as d'autres véhicules. Ok, ben j'appelle au central. Ok, t'appelles le central. J'appelle le central. Ici Belloc. Individu suspect, vol de ma voiture avec personne civile à l'intérieur. Donc je donne les plaques d'immatriculation de bagnole ou quoi. Ok. Je donne l'axe, je sais pas dans quel. D'accord, ouais. Elle part apparemment en direction du vieux Gotham. Dans la direction du vieux Gotham, donc ouais, c'est par là. Ouais, donc direction ouest. En ouest. On était au district hall, nous, tu nous as dit. Hein. Oui. C'est ça. Le. Ah bon, c'est pas nous alors. Non, t'es dans le City Hall District, pardon. Oui, donc voilà, c'est ça. City Hall District, ouais, donc ils sont partis vers une. Non, tu dis une bêtise. Ah. Je te dis encore une connerie. C'est nous qui étions au City Hall District. Oui, vous étiez ici. Non, non. Il part en direction de Otisburg. Oh putain, il est là-haut. Ah ouais, mais il est où ? Ouais, parce qu'il. Bon, mais la direction générale. Au nord. Ouais, il part au nord. Parce que s'il est là, il va au Otisburg. Non, vous êtes dans Vieux Gotham, il part en direction du nord, effectivement. D'accord. Il part en direction du nord. Donc je leur donne l'axe principal où il est allé. Ok. Pour qu'il y a des patrouilles qui puissent m'intercepter. Donc ils reconnaissent, hein, tu donnes le code d'identification de Belloc, identifié. On envoie une patrouille tout de suite. Donc ils envoient une patrouille. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de voir s'il n'y a pas une bagnole et Il y a des véhicules de civils, hein, des gens qui sont. Ah bah je me mets au milieu, je sors la plaque, réquisition de ma bagnole, sors de là. Ok, donc tu te positionnes devant un modèle un peu sportif, t'as un mec un peu une ville de Gotham. T'as un mec avec des oreilles de chauve-souris avec une putain de bagnole. Un mec qui a un peu des thunes, tu vois, qui veut pas sortir tout de suite, et puis finalement il finit par quitter le véhicule avec sa du ciné au bras, et tu récupères son véhicule. Ouais, t'inquiète, je le rends en état. Putain, t'es obligé de reculer le siège, tu perds un petit peu de temps, n'est-ce pas ? Et tu te lances effectivement à la poursuite. Attention. J'ai pas de truc. Expertise, expertise. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité. Si t'as des avantages particuliers liés à la conduite, ça peut t'aider. Non. Et tu me fais le meilleur jet possible. Tu m'as dit de dextérité. Ouais, dextérité. Ah, si t'as des bonus en conduite, évidemment, ça aide. Je jette qu'un dé. Oui. Attends, j'ai une étoile en perception. Ça me permet pas un peu de revoir. Ça veut dire que tu jettes 2 dés. Tu as le meilleur. Non, mais est-ce que je peux. La dextérité, c'est quoi ? C'est pour conduire, là ? Ouais, c'est que t'arrives à la conduire bourré. Je jette qu'un dé, tu m'as dit, donc, du coup. Ouais, quoique, attends, c'est pas vraiment de la dextérité, c'est plus de la. Mais il y a les deux, il y a perception et dextérité. En fait, je pensais utiliser la perception surtout pour le pas le perdre de vue. D'accord, bon, fais déjà un jet de perception. Jet de perception, ça me paraît plus logique. C'est 2D. 12 et 15, je garde le meilleur. Ouais. Donc 15, et j'ai un plus 3 dessus. Donc 18. 18, ok. Regardez, parce qu'à mon avis, on tue plusieurs fois. Et surtout si on va jusqu'à Otisburg. Ok, donc tu suis le véhicule.
pour essayer de retrouver sa trace. Et effectivement, tu arrives à identifier assez rapidement, puisque tu vois deux feux rouges, que tu connais bien, puisque c'est ta voiture, qui slalom en remontant la cinquième, mais à contresens. Bah, j'ai envie de dire que la perception, c'est plus pour faire une filature, et la dextérité, plus pour une course-poursuite, quand même. Tout à fait, c'est pour ça que maintenant on va faire dextérité. Bien joué. Bien, t'as une force, Christian, mais que ferais-je sans lui? Il a tout à fait raison. Tout à fait. Même dans son rôle de personnage, à Fred et tout, là. Je peux me permettre. Excusez-moi. Il a raison, c'est un pareil. Il a dit le truc. Allô, MJ, si je peux me permettre. J'ai sur mon moniteur, je vois que c'est. J'ai le fond de Tinder, si vous désirez. Donc, de dextérité. Ça va pas être la même, hein. 13. Très bien. Bon. T'arrives à gagner un peu du terrain, mais compliqué parce qu'il y a des voitures au contresens, donc c'est pas gagné. Au bout d'un certain temps, ça fait quelques minutes que tu suis ton véhicule. Oui. Ben, avec un intérieur Martha, aux prises avec un individu que tu ne connais pas. Il y en a plein des Martha, hein, heureusement, parce que. Tu entends. Le véhicule de GCPD arrive par une tangente. Ils prennent en chasse le véhicule que tu identifiais. Lorsqu'ils donnent la plaque, t'entends dans les communicateurs du GCPD, c'est Belloc qu'on est en train de filer, il prend la fuite. Donc, là, t'as Montoya, elle est sur le feu. Donc t'expliques que tu t'es fait voler ton véhicule. Effectivement. Belloc s'est fait voler, ça. Ça va être pour toi. Et pas de commentaire. Donc il se lance à la poursuite du véhicule, mais celui-ci a une conduite dangereuse. Tu entends dans les communicateurs qu'il y a plusieurs sommations qui sont adressées au véhicule pour qu'il s'arrête. Et celui-ci ne tempère pas. Les officiers du GCPD sont en train, à l'arrière du véhicule, d'ouvrir les fenêtres. Tu connais la procédure. Ils risquent de tirer sur ton véhicule pour l'arrêter. Ah, je les préviens. Je fais attention, il y a un civil à l'intérieur. Attention, civil identifié à l'intérieur. Donc, par contre, il y a... Alors, est-ce qu'il suit toujours la grande avenue, la 5e, t'as dit, ou apparemment, il a l'air de remonter la 5e à sens inverse. Et moi, est-ce que je connais pas genre un endroit qui serait un peu moins... dense niveau circulation, que je peux prendre une tangente, gagner de la vitesse et l'intercepter, oui, un peu plus loin. Une voie en travaux. Voilà. Dangereux. Parce que selon l'intervention des travaux. Là, si je reste comme ça, je ne le rattraperai pas. À moins compliqué. Compliqué de le rattraper, même avec le gros bolide. Avec le bolide, tu peux, mais t'es pas un grand pilote, quoi. Ouais, voilà. Et puis la circulation, elle est dense. Moi, le but, c'est de prendre une. Ça n'a pas l'air d'être un grand pilote, lui non plus. Hein. Tu vois qu'il y a plusieurs fois, ça évite. T'as l'impression. Non mais là le but, si tu veux, j'essaie de sortir, de prendre une parallèle, d'accord, de laisser les autres le filer comme ça. Je prends une parallèle histoire d'accélérer plus, qu'elle soit plus libre, et de le reprendre du coup. Alors en termes de jeu, ça se traduira tout simplement par le fait que si tu choisis cette option, tu auras des jets de conduite plus dangereux, mais si tu les réussis, tu arriveras à remonter à hauteur du véhicule. Ouais, bah allez, c'est toi qui choisis de prendre ce risque, mais ça te permettra avec des jets... Ouais, ça va, si tu les rates, les conséquences seront plus... C'est un peu dangereux. Ouais, mais bon, c'est. Je donc pense tu que prends la parallèle. Très bien. T'entends des coups de feu. Les coups de feu sont adressés au véhicule. Alfred, toi qui es en communication avec, bien sûr, les radios de police, puis le MATCA, sans doute. Tu apprends effectivement qu'un véhicule est en train de remonter la 5e et qu'il a un comportement très dangereux, menaçant la vie des civils. Et actuellement, le... Les coups de feu sont échangés. Le véhicule est lancé. Bon, on ne semble pas s'arrêter. Je pense que la 5e, c'est une de ces deux-là. Là. On était dans le hall Gotham, c'est ça? Donc je pense que la 5e, c'est peut-être une de ces grandes. Et nous, on n'était pas là. Et nous, au niveau de la situation, on est où, là? Là, au niveau de la situation, vous n'êtes pas très loin. Ils pourraient rejoindre, mais ça demanderait... Je veux dire, les camions ont démarré. Oui, Il est sur leur trace. Les camions le traceur est placé, les camions ont démarré. D'accord. Et au moment où les camions démarrent, je dirais peut-être une vingtaine de secondes après, t'as cette alerte-là. Monsieur Jason, une course aux poursuites policières a actuellement lieu au niveau de la 5e en partance de Old Gotham. J'ai peur que la trajectoire des camions se trouve directement en interception. Soyez prudent. Je peux répéter. Je suis sur autre chose. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Quel intérêt d'y aller? Bah après... Essayer de sauver un porceau gros. Ah non, c'est pas qu'on y va, mais peut-être que les camions... C'est bon. Hein. Après, le camion, véhicule, la meilleure financée, menace des vies civiles. Menace, bien sûr. À vous de gérer les priorités, mais en tout cas, il y a... Ah non, mais moi j'ai un véhicule.
à pied. T'es en moto, toi? Ah, t'es en moto. Ben voilà. T'es en moto, ou alors parlez-toi. Mon grappin, là, tout pour un lance-grappin. Alors, tu peux y aller en moto. Ça permettra d'y aller assez rapidement. Ouais. De rejoindre. En passant par les toits, c'est aussi jouable, mais c'est peu. Ouais, c'est un tout toi. Les deux te permettraient de rejoindre effectivement la cinquième. Écoute, un manque de sport, je vais passer par les toits. Ok. Si tu veux, le problème c'est que tu perds du temps pour regagner ta moto. Ouais. Tu perds du temps pour descendre. Non, je vais. Mais je. Par les toits, j'essaye de me diriger au plus vite D'accord. sur la cinquième. Alors après, tu peux appeler ta moto. On va imaginer que tu as ça. Un peu comme il appelle sa Batmobile, tu peux appeler ta Nightwing Bike. C'est pas mal. Bike. Donc tu peux commencer déjà à gagner du terrain. Voilà, je gagne du terrain, je cours. Ok. J'essaye de sauter entre 2-3 toits. Alors à toi de voir, pareil, le degré d'urgence que tu mets là-dedans. Plus tu prends de risques, plus tu te rapprocheras efficacement, mais plus tu t'exposes aussi. Et le risque, je le calcule pas. Ah ben le risque, c'est à toi de me dire où tu mets ton seuil de difficulté. Soit tu mets ton seuil à 10, 15, 20, 25. Plus tu choisis un seuil élevé, plus pour moi tu gagnes du terrain quand tu réussis. Maxi, c'est à toi de voir. À toi de voir avec TD. C'est pas mon gars. Bon, on va dire que tu peux, ouais, tu peux monter jusqu'à du. Donc là, c'est 20. Quoi? C'est la dextérité. En plus, quoi. 30 plus, c'est incroyable. Hein, c'est en dex. Là, c'est en dextérité pure. Alors, sachant qu'il est en moto et qu'en moto, t'as quand même plus de facilité. Là, il se déplace sur les toits. Après, il peut regarder sur les toits. Pour l'instant, c'est sur les toits. Ouais. Tu vois les motos qui la battent pas. Mais... Pour gagner, pour être le plus efficace possible, c'est de commencer à courir sur les toits et de lancer la moto pour la récupérer en pilote pendant sa course. Le signalement du véhicule qui a été volé serait celui de l'inspecteur Bullock. Si je me souviens bien du modèle, prenez votre temps. Tout à fait, effectivement. Inspecteur Bullock. Non, j'accélère quand même. À toi de voir si tu prends des risques ou pas. Je prends des risques. D'accord. À 25, 20 plus, 30 plus. 30, très bien. Ouais. Incroyable. Ils sont prendre des risques incroyables. Ah, c'est Nightwing. Donc là, en fait, il y a Nightwing qui est en haut d'un toit. Effectivement, il a un chemin qui semble tout indiqué avec passerelle, etc. où il peut. Et puis, il en a un deuxième où il y a un château d'eau. Il faudrait balancer le grappin jusque-là, du château d'eau. Se balancer pour arriver de l'autre côté. Même pour Batman, c'est en Dax. Mais bon. Et t'es Dick Grayson, donc en avant. Élève des passes le maître. J'ai fait du cirque. Ok, donc tu entames ta course, tu commences à courir, t'as l'air qui siffle sur ta combinaison, t'arrives au bord du toit, tu prends ta marque, tu prends ton lance-grappin, jette les dés, parce que peut-être ça va faire... Dans l'eau. Et le flashback, tu revois tes parents tomber du trapèze. J'en lance combien? Deux. Ah, deux et tu prends le meilleur. 13. 18. Tu peux dépenser peut-être un point d'exploit, je sais pas. T'as combien de points d'exploit? Non, t'as dit que c'était plus 10. Hein? T'as dit que c'était plus 10. Ou alors il fait un 20 sur le dé, c'est une réussite automatique. Il peut le dépenser comme ça. Ah, tu peux jouer la gaufrade. Hein. Ok, ouais. Je peux jouer la gaufrade. C'est juste parti du truc. Oh, j'utilise un point. Ok, bon bah tu me l'oreilles, un point d'exploit. Ça fait que tu marques 4. Un point d'exploit au moins. Tu cours, tu lances ton grappin. Espèce de grappin. Tu penses avoir raté. Heureusement, ça s'accroche in extremis sur une des poutrelles métalliques du château d'eau. Ça se tord comme ça. Et ça reste accroché. Tu décris un grand arc de cercle. Tu manques de te couper en deux sur une poutrelle métallique. Effectivement, ton câble se tend, tu lâches et t'atterris sur le bord du toit en face, mais pas sur les pieds, hein. Récraque avec les mains et t'arrives à te hisser. T'as vu défiler tes mains. Tu pensais que c'était la fin de Dick Grayson. Mais c'est réussi. Donc, encore, alors que tu aurais deux courses à faire pour rejoindre le véhicule, là, tu as gagné un temps précieux qui te permet encore, avec une action de ce genre-là, de pouvoir rejoindre facilement l'endroit où ça se passe. Ah, plus facilement. Plus facilement. Voilà. Directement dans sa zone de contrôle, tu peux prendre des risques à hauteur de 20 plus. Combien 20 plus? Putain, 19. 19. 19, ah, c'est pas loin. Ok, donc tu commences à courir. Tu prends la confiance, tu t'accroches, tu vas pour t'accrocher effectivement sur une des rambardes métalliques de derrière les bâtiments là, qui permettent de descendre par les escaliers de secours. Tu rates. Alors ton gant,
tu t'accroches et Xavier, t'es en train de tomber. Toi, de voir, faut que tu m'inventes un truc parce que sinon tu vas te coutrer par terre. Alors, non. Ah, les bas crochets, les bas de quelque chose, enfin des knights quelque chose. Alors, random shit book. T'as ta moto, Ma moto, non, ma moto, je vais, ah, pas, tu je vais pas tomber sur ma moto, si. Ah. Ouais, bah, ça serait... Ça serait cinématique. Donc, ah, pendant, pendant ma chute, j'appelle la moto pour qu'elle vienne, tel un tornado. Voilà. En ce temps-là, Alfred avec son thé devant le retour écran. Alfred avec son thé. Ah bah ça va passer, là. Monsieur Resson, allez, tout va bien. Monsieur Resson. Ça se tente. Monsieur Resson, vous allez être, vous êtes de mettre en truc. Le déplacement de votre costume indique que vous êtes en train de vous rapprocher dangereux. Ok, alors vas-y, donc la moto, tu l'appelles et fais-moi un G pour te rattraper à ta moto de dextérité. C'est chaud là, 20 bon, plus. Peine. Ouais, 20, c'est du 20 là. Oh la vache. Je vais sur ta moto. Oh, 21. 21. Putain. Donc t'appelles la moto, t'es en train de tomber dans les airs, tu fais putain, pourvu que ça marche, ce système de guidage. Effectivement. La moto débarque d'une des ruelles. Elle remonte, tu tombes, et atterris sur la moto, elle s'écrase, des étincelles, le cul chasse droite-gauche, t'arrives à reprendre la direction et à filer en direction de la scène. Ah, le public est en feu dans la salle. Ils sont tous debout. Bravo! Donc tu remontes effectivement. Et c'est moi qui te mets prendre casque. Tout le budget du film est déjà. Ah ouais, tout y est passé. Plus rien. Épisode 2, ça va se calmer direct. Alors attends, la saison 2 maintenant. Ouais, c'était bien le CGI quand t'es tombé. Quoi. Oui, c'était pas toi vraiment. Donc effectivement, tu remontes à hauteur de la 5ème et tu aperçois des lumières bleues, rouges vacillantes au loin. T'entends des sirènes, même des petits coups de feu. Ça doit être là. Toi, t'as identifié effectivement au niveau de la circulation les véhicules qui sont en train de remonter. Toi, t'es arrivé bientôt à hauteur du véhicule. Enfin, t'es arrivé à hauteur du véhicule. Les coups de feu sont en train de s'échanger. Et à toi de voir ce que tu fais. Tu peux remonter encore sur le véhicule. Moi, le but, c'est que je le dépasse et que je le coupe la route. Très bien. Alors, tu vas me faire, par la zone dangereuse, en travaux par lesquels tu es passé. Effectivement, des grues, des palissades, du slalom entre des engins de chantier. Tu fais voler une barrière de bois. Sur lequel il y a marqué qu'il ne faut absolument pas circuler ici. Il y avait évidemment. Fais-moi un G, là. On avait dit quoi, Christian, déjà ? Dextérité. Dextérité, plutôt. Oui. Dextérité. Donc, c'est dextérité. Là, c'est du 20+. Hein. C'est très difficile de piloter dans cette zone. Oh, vache. Ouais. Ah oui, 20+. Oh. 17. C'est bon, ça passe. Non, plus, ouais, 17. Alors, faut que tu craques de l'exploit. Pour, ou... pour qu'il fasse du 20, c'est quasiment impossible. Ouais. Il faut que je fasse 19 en fait. Pour... Ah oui. Si je craque un point, ça fait quoi, 10 de 20 naturel, c'est comme si t'avais réussi ton jet. Allez, je le craque. Très bien. On est dans un... Donc tu remontes, là t'arrives à hauteur d'une butte qui te permettrait effectivement de bondir et d'atterrir de l'autre côté. Tu fais voler la palissade en bois, tu sais pas si ça va passer. Merci. Tu prends la palissade. Ça ira. Pendant quelques instants, tu es au-dessus du fleuve de Gotham. Et tu pries pour atterrir effectivement sur l'échangeur et t'atterris sur l'échangeur. Le véhicule, par contre, à mon avis, il faudra faire une sacrée révision. Quand il atterrit, t'entends un bruit de carlingue, t'as le pare-choc arrière qui vole, une aile qui part sur le côté, tu perds tous tes enjoliveurs, mais la voiture tient bon. De généreux donateurs. À Gotham, on a de généreux donateurs. T'es à hauteur de ton véhicule. Lorsque tu jettes un regard, Martha est au volant, l'homme est à l'arrière et la menace d'une arme. D'accord. Je continue toujours, mon but c'est de l'intercepter, quitte à la mettre sur le côté. Toi, t'arrives à hauteur du véhicule, les véhicules de police sont sur les côtés, ils sont en train de rouler, donc le GCPD est en train de rouler pour remonter à hauteur du véhicule. Arrêtez-vous, mettez-vous sur le bas-côté. Donc ils sont avec des haut-parleurs, il y a un hélico au-dessus qui balaye, qui commence à balayer l'échangeur. Vous êtes au niveau du pont de Gotham qui passe donc au-dessus du fleuve pour rejoindre l'autre île de Gotham. Toi, tu remontes les véhicules du GCPD. Un véhicule, deux véhicules, trois véhicules. Est-ce que je peux lui calculer une trajectoire d'interception qui soit safe? Oui, tu peux lui calculer une trajectoire d'interception. La moto risque d'y laisser des clous. Il faudra pas qu'il reste sur la moto. Mais il peut... Enfin, toi, de voir ce que tu proposes, mais... Bah, j'essaie de lui trouver la meilleure trajectoire possible pour qu'il...
Parce que moi j'ai une vision plus, oui, plus globale, là, tu vois. Là, pour l'instant, je l'ai pas vu, en vue. Là, t'as remonté tous les véhicules du GCPD. Voilà. T'as un véhicule de sport qui semble lancé à la poursuite donc d'une vieille voiture de tourisme. Ah oui, sûrement la voiture de Moloch. Donc tu aperçois lui. Mm-hmm. Le véhicule, ils ont joli beurre, ils ont explosé. Il a pris moult choc dans la poursuite. Et il est en train de se lancer à sa poursuite. Les véhicules du GCPD qui sont en hauteur et qui je sont décide d'accélérer et ouais. de me mettre à la hauteur de la voiture de sport. Hein? Oh putain, je vais le faire lui. Hein. C'est un costume. C'est clair. Arrête-toi. Dans le rétroviseur, t'aperçois effectivement. Est-ce que je sais qui est au volant? Non. Non, mais il peut me le dire. Ouais. Voilà. Bon, il me l'a dit. Tu sais que c'est. Ah non, tu sais pas que c'est Hervé Bollock au volant. Ah bah, non, tu veux que je le sache. Non, oui, non, non, il sait pas. Ça, je me mets à la hauteur. Tu remontes à hauteur du véhicule. Toi, t'as dans ton rétro, tu vois un véhicule noir qui débarque. Putain, il est dans un bruit assez violent, mécanique et lourd, remonte à ta hauteur. Et tu aperçois en pyjama liseré bleu. Pyjama liseré bleu, Nightwing. Ah putain, un masque. Bloc. C'est moi. Donc il est à ta hauteur. Lancé lui aussi à la poursuite du véhicule. Bon, vous pouvez pas vraiment communiquer. Enfin, si en criant quelques mots, mais compliqué. Moi, je lui lance un regard, genre. Bon, t'as reconnu Bloc. Ok. Tu m'as calculé ma trajectoire. Le véhicule continue à avancer. Un camion arrive bientôt sur la trajectoire du véhicule. Il a réussi à esquiver plusieurs véhicules qui sont à contresens. Mais là, toi, Alfred. Un camion est en train de se diriger à sens inverse. Si vous n'intervenez pas, j'ai peur qu'il se le prenne de plein fer. Et à 1 km, le trafic densifié considérablement. C'est la fin de l'histoire. Ok, que je double le véhicule. D'accord. J'essaye d'aller au plus vite. T'as plus de puissance qu'effectivement le véhicule de Bloc. C'est une moto. Et d'être à la hauteur du véhicule qu'on poursuit. T'es à la hauteur du véhicule qu'on poursuit. Toi, Bloc, fais-moi un jet de dé pour me maintenir à distance. C'est du 15+. C'est pour rester à distance du véhicule. Hello. Ok, bon, tu esquives un véhicule en sens inverse et tu perds du temps, tu laisses l'arrière, le véhicule fait un tête à queue sur l'arrière, pas de dommage important a priori, mais bon, t'as perdu du temps. Toi, tu remontes, je remonte du véhicule. Le jet de pilotage, pareil, 15+. Oh. La dextérité aussi, hein. Ouais, 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 ça va. 17, 22. Ok, très bien, t'arrives à maintenir la distance. Là, le trafic s'intensifie. À la hauteur. À ce moment-là, j'aperçois et je vois l'individu avec une arme. J'aperçois effectivement un individu avec une arme qui est à l'arrière du véhicule et qui a son pistolet braqué sur la conductrice. D'accord. Une dame qui doit avoir la quarantaine, complètement paniquée. Possible de sauter sur le véhicule. Match. Les véhicules du GCPD arrivent à hauteur, ils ont réussi à faire dégager la circulation. Donc ils ont stoppé la circulation un peu plus loin. A priori, c'est ce que tu aperçois. Ah, si je saute sur le véhicule. Non. Saute sur le véhicule. En marche. Si je saute sur le véhicule et que j'essaye. J'ai rien qui paralyse. Ah si, mes bâtons, mais. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça. Des coups de feu sont en train de claquer à tes oreilles. Et t'entends les hommes du CPD qui disent poussez-vous de là. J'ai un batarang explosif. Est-ce qu'en visant les roues oui. pour immobiliser le véhicule. Ouais, vas-y. Bon, explosif, c'est peut-être non, pas... Non, mais... Enfin, c'est un batarang, c'est un batarang, c'est ouais. pas c'est une bombe le machin. Oui, non, bah c'est une petite explosion, c'est un pétard. Ça fait péter le pneu, quoi. C'est un truc, ouais, ça fait sauter une serrure, un truc comme ça, c'est pas non plus un truc qui explose. Une... Tu peux choper les voix comme tu veux. Je sais pas, est-ce que explosif, je... Ah oui, ça fait péter des murs. Ah ouais, ça fait... Ouais, le danger, si tu fais sauter une roue, c'est qu'elle perd le contrôle et qu'elle fait 50 tonneaux. Surtout si elle roule vite. On va faire l'exemple avec... On va faire l'exemple avec la maquette. Non, alors j'utilise le un batarang. Ok. Pour crever les pneus. 20+.
Ah, t'es en mouvement. Arrière. Ouais. Une propulsion. Même plus encore. Ah ouais, attends, les pneus, t'es en mouvement sur une moto. Oh. Ah ouais, mais Nightwing. Nightwing. Ou pas. Je perds mon batarang. Donc, ding, 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 le batarang est perdu. Ok. Apparemment, le véhicule a heurté un véhicule de tourisme, un deuxième. Il semblerait que le contrôle soit de plus en plus difficile. Le GCPD est en train de tirer plusieurs coups de feu sur le véhicule, et notamment des coups de feu qui atterrissent sur la carlingue à l'arrière du véhicule. Toi, fais-moi un G, 20 plus pour remonter. Ou 15 plus si tu veux rester à distance. Bah, c'est vrai que par sauter sur le toit du véhicule, essayer de pénétrer à l'intérieur pour... De toute façon, ça dépend de mon résultat. Voilà. Si je fais 20, je remonte. Si je fais 15, je reste à distance. 15. 15, donc tu restes à distance, t'arrives pas à remonter. Ok, très bien. Bon, mon action a échoué, je décide de tenter le tout pour le tout en sautant sur le véhicule. Ok, au moment où tu fais ça, t'as le camion en face, qui effectivement est en train d'arriver, et là, grosse circulation, on est à un encaissement où l'échangeur se resserre, et là, perçois toi Alfred, à distance, tous les véhicules bouchons à moins de 500 mètres. Alors toi laissez, hein, monsieur Grayson, quoi que vous décidiez, faites-le maintenant. Donc je saute. T'as une action décisive pour détourner le véhicule. Si tu réussis pas cette action-là... C'est mort. Bah, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est mort, à la vitesse où ils sont lancés, tu pourras pas tenter autre chose, ça sera compliqué. Non, mais je tente de... Alors, c'est deux actions, de sauter sur le véhicule et de rentrer dans le véhicule. Parce que le but, c'est pas de sauter dessus. Le but, c'est de sauter pour pouvoir rentrer dans le véhicule. Après, alors... Et de désarmer. Bah, t'auras... Ouais, bah, c'est tout ce que tu pourras faire. T'auras pas d'opportunité de faire d'autres actions. D'accord. Donc, pas le temps de faire d'autres choses que ça. Donc ça, ça ferait quoi? Ça ferait trois actions. T'es trois actions. Donc trois actions. C'est les seules choses que tu as à faire. La première, je saute. Ok, 20 plus pour atterrir sur le véhicule. Tu sautes, ouais. Alors, je me raccroche péniblement au rétroviseur. Tu peux dépenser des points de. Ah, c'est vrai. Je te rappelle. Ah, je te rappelle. C'est obligatoire. Oui, bon, ouais, c'est le premier. Allez. Si tu juges que c'est décisif, non, hein. Ouais. Bien sûr. S'il veut pas faire rouler sur le bitume comme un gland, c'est décisif. Ouais. Je consomme un point d'exploit. Ok, donc tu sautes pour atterrir sur le véhicule. Malheureusement, le véhicule, au moment où tu sautes, fait un écart. Tu vas pour te croûter sur le béton, mais là, réflexe Dick Grayson, batarang, enfin grappin, tu te raccroches au véhicule. Ta combinaison frotte le bitume, mais tu arrives à remonter sur le véhicule. Là, à l'intérieur du véhicule, t'as des coups de feu. Depuis la carlingue. Les esquives. Tu les as vus passer. Avec tes... Tout ce que tu vois, c'est juste les trous. Tu fais wow. Tant d'axes. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'ouvrir la portière arrière. Ok. Pour rentrer dedans. Essaye d'ouvrir la portière arrière? Ouais. Ok, donc fais-moi un G pour force, parce que c'est fermé. Les vitres sont pas ouvertes par hasard. Elles ont explosé. Avec elles ont explosé. Par la vitre. Alors je passe par la vitre. Tu fais une jab avec les deux plans avant. La vitre. Très bien. Alors là, ça va être de l'athlétisme, c'est un G de dextérité. C'est du 20 plus, hein. C'est toujours difficile, hein, ce que tu fais. Oh, 19 plus 5. Ok, 4. T'es à l'intérieur du véhicule. L'individu, enfin celui qui est armé, semble surpris de te voir et pensait pas que t'allais réussir avec ce move à rentrer à l'intérieur du véhicule. Ce que tu aperçois, c'est au niveau de son épaule une tache liquide bleue phosphorescente. Oui. Et t'entends la femme qui est à l'avant du véhicule, qui est complètement en panique, qui hurle, qui conduit, et lui qui dit « Accélère, accélère! Plus vite! J'ai chaud, ça me brûle !» En même temps, il a... Enfin non, j'ai froid plutôt. J'ai froid. Ça me brûle. Ça me brûle. Alors j'essaye d'expulser cet individu en dehors du véhicule. Ok. Avec un gros coup de pied. Combat. Combat. Toi, right. Fais-moi un G pour savoir si tu remontes. Et moi j'ai froid, je suis bien. 15. Toi, tes persos, on aime bien le voir se manger la gueule, hein. C'est... 15. Ok, bon bah tu maintiens la distance. Ouais, ça va.
Donc, j'aperçois. Donc, t'esquives des véhicules à contresens, tu remontes la circulation, c'est toujours la panique, mais voilà, tu les perds pas de vue, mais t'arrives pas à te rapprocher. J'aperçois donc. J'ai avec ce bras qui est. Apparemment, un impact là, il y a du liquide bleu luisant au niveau de son épaule. Et phosphorescent. D'accord. Alfred, il le voit, grâce à mes yeux. Oui. Tout à fait. D'accord. Mais par contre, on ne peut pas analyser. Toi, tu veux faire des recherches, des choses spécifiques. T'es divine. D'accord. Récupérez donc un peu de ce flux. Bon, donc je décide de l'expulser du véhicule pour pouvoir. Ok. Tu vas me faire un jet d'attaque corps à corps. Je vais faire des recherches, oui. J'imagine que c'est pas Mr. Freeze, mais ça me rappelle quand même Mr. Freeze. Oui, tout à fait. Ça te rappelle Victor Freeze. Victor Fries. Tu te souviens qu'effectivement Batman avait eu affaire avec lui et te semble reconnaître cette couleur particulière du liquide qui circule dans la combinaison effectivement de Victor Fries. Alors que lui il est sans combinaison et qu'il est en train de. Et tu m'alertes sur ça ou pas? Et Freeze actuellement il est à Arkham, il est en liberté ou Freeze il est pas à l'asile d'Arkham, tu fais la recherche? Bah là, je fais une recherche pour. Donc, ça me paraît bizarre que ce soit Freeze. Ça me paraît évident que c'est pas lui parce qu'il a pas de combinaison et pas s'il a pas ça. Non, c'est Victor Freeze. F-R-I-E-S. Mais que c'est peut-être une expérience similaire ou un truc comme ça, c'est ça que je fais des recherches en fait. En faisant la recherche, tu vois qu'effectivement, Victor Freeze n'est ni enfermé ni à l'asile de Gotham. Il est recherché. D'accord. Right. Très bien. Alors fais-moi ton jet d'attaque corps à corps. Pas naturel. 20. Ça passe. C'est 11 plus 2. La pile poil, ça passe. Donc tu entends tu balances un coup. La silhouette est expulsée du véhicule. La porte vole. Sortie du véhicule. Le véhicule continue sa course. Du coup, elle est complètement en panique, tétanisée, elle avance tout droit, et t'as le camion. Il est en train de se rapprocher dangereusement. Je lance mon grappin sur le volant pour essayer. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Ça passe. Ok, prends le volant. 23. Tu fais une grande embardée, le véhicule effectivement tourne, par contre, le véhicule bascule, toi, en fonction de la célérité, vu l'angle de l'inclinaison du volant et la vitesse, tu envisages le taux. C'est exactement ce qui se passe. Victor Van Dyck. La caméra qui est comme ça. Mais donc tu vois la caméra qui fait... Le véhicule part en embardée, plusieurs tonneaux, et vient se croûter sur la voie, donc tu aperçois toi ton véhicule qui fait plusieurs tonneaux. Ouais, je me demande qui te tape contre la rambarde et qui glisse le long de la rambarde. Il est complètement retourné, Martin. Il y a des flammes. Putain, ma caisse. Ma bagnole. Toi, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Lasson, vous m'entendez? T'as pris 6 et 4, 10 points de dommage. Oh la vache. Tu peux retrancher ton armure. Ouais, Alfred. De dommages corps à corps. Ça va. C'est où le... Bah, c'est très simple. Il a résistance aux dégâts. Attaque corps à corps, il a 5. Il en prend 10. Donc, il prend 5 points de vie. Il perd 5 points de vie. Les forces de police sont en train de converger vers vous. Vous devez sortir absolument du véhicule. Vous avez une issue possible vers l'ouest, à travers le petit bois à côté de la route. Alors là, il est sur le pont. Ah, bah là où ils sont, ils sont sur le pont qui est au-dessus du fleuve de Gotham. Bon, moi j'arrive à l'histoire. T'arrives, effectivement, le véhicule est retourné. Il y a des flammes alentour. Donc tu as passé la silhouette effectivement, qui a été expulsée du véhicule. Mais je me précipite du coup sur. Ok, donc tu te précipites à hauteur du véhicule, effectivement, et tu vois émerger du véhicule du mouvement. Peut-être Martha. Non, il s'agit de Nightwing. J'essaie de l'intercepter, de le maintenir. Ok, donc Nightwing, toi tu sors du véhicule, Dick Grayson qui arrive à ta hauteur. Et tu me chopes? Ah ouais, bah attends, t'es un masque, mec. Ah oui, t'es un masque. C'est moi. Ah non, je connais pas son identité. Ah bah non, je connais aucune identité. D'accord. Nightwing.
Bouge pas le masque. Mon identité secrète. Bouge pas. Donc tu es mis en joue par Harvey Bullock. Donc tu connais le personnage. Mais là, l'air. Tu sais Brouque pas. Moi tes mains. Voilà, tu sais pas qui est sous ce masque. Tu sais que c'est des justiciers dont tu apprécies peu les méthodes, ouais. Mais. Les forces de police arrivent, les véhicules s'arrêtent, bouge pas, les sirènes, écarte-toi. Les flics sortent un à un du véhicule. Tenez-le en joue, gardez-le de côté. Et je me mets sur, j'essaie de sortir Martha. Ok, Martha semble inconsciente. Là, je l'extirpe de tu la... Tu l'extires du véhicule, ok, on appelle une ambulance. L'ambulance, ouais. Il vient directement sur place, elle est inconsciente. Par contre, elle a l'air de respirer. Ce soir. Ah, je pense que c'est mort. Donc, que faites-vous ? Allez, embarquez-moi ça, là, qu'on interroge un peu. Non. Ah, oui, je me doute. Malgré la fatigue. Donc, toi, t'es donc sur le pont, c'est... au-dessus du fleuve Gotham, avec les policiers qui te mettent en joue. Au moment où un ou deux policiers essayent de m'attraper, Non, personne n'essaie de t'attraper, ils te tiennent en joue pour le moment. Toi, Alfred, tu vois la scène à travers les yeux. Heureusement. Oui, je vais tenter de fuir, forcément. Je lance mon batarang. C'est pas un pont sur la lave, je lance mon truc pour le nombre. Ah, si. Hein ? Pas bête. Si, voilà, parce que c'est ça. Ok. J'essaie de prendre le contrôle du pont. Ah, fais-moi j'ai. Fais-moi un jet d'intelligence. Plus 5. Alors, plus 5. Ça fait 13. 12. C'est du. Alors, attends, 15. Ah, c'était du 15. Hein. Ah oui, c'est du 15. C'est du 15 parce que c'est difficile quand même. Bah, c'est loupé. J'utilise un point. Point d'export, oui, je crois, il y en a. En haut. Ouais, non, attends, je suis furtif. Je suis furtif. Non, je vois beau parleur. Non, oui, bah oui, je vais faire péter un point d'exploit. Ça va te sauver son petit cul. Après, tu peux te déplacer aussi, hein. Tu es pas obligé de rester. Oui, il est bien dans son PC. Je suis un homme de terrain, c'est bien connu. Putain, mais il faut lire. Parce qu'après, avec la. Pourquoi ? Mais parce que pour un point de vie, je me mettais plus 5 à chaque. Je me dépasse. Ouais, je fais péter un point d'espoir pour mettre plus 10 à manger. Là, tu cherches à accéder au pont, à l'activation du pont, tu arrives effectivement à activer le pont. Donc, au moment où ils font ça, moment d'inattention, les flics sont en train de se dire qu'est-ce qui se passe et derrière eux, effectivement, ils voient le pont qui est en train de se soulever. Je profite de si ce je moment, puis vous suggérer de cette diversion pour lancer mon lance-grappin. Ok. Et... Lance ton grappin. Juste le grappin, si on se lance grappin. Donc tu peux effectivement monter sur le pont, il y a des armatures métalliques, un pont un peu comme le pont de San Francisco, c'est le pont de San Francisco là où il y a les. Oui, tout à fait, voilà. Entre autres. Un pont suspendu de armature métallique pour rejoindre le haut du pont. T'as le fleuve, à toi de choisir. Tu quittes les lieux. En fuyant par la voie aérienne. Par la voie aérienne ? Ok. Donc tu fuis par la voie aérienne. Fais-moi un G. C'est du 15. 9. Combien ? Avec quoi tu le fais dextérité ? Ouais, 14. Bon, attends, non, c'est du 10, c'est du 10. C'est une bêtise. Je suis en train de regarder un peu les exemples là. Ah, c'est un peu son quotidien, lui, de choper des trucs. Ouais, on est sur... Bah, c'est pas, justement, faut pas raisonner comme ça. Faut raisonner par lui, il va arriver à le faire parce qu'il est surhumain, mais c'est difficile. C'est difficile, mais pour un Nightwing, oui. C'est quelque chose qui est. Fuite quand même. Ouais. Donc, je fais 14. C'est bon, ça fonctionne. T'arrives à prendre la fuite. Donc, sur ce, effectivement, que faites-vous ? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Toi, tu as pris. Du coup, merde. Voilà, l'ambulance est en train d'arriver. Okay. Martha est embarquée pour aller effectivement à l'hôpital de Gotham. J'ai vu moi au moment donné quand il a expulsé le sbire. Là. Tu vas sur les lieux de l'expulsion. Tu aperçois effectivement des traces de cette espèce de liquide bleu luminescent. Plusieurs traces qui vont au bord du pont. J'utilise mon esprit d'analyse. Vas-y.
pour faire des recherches d'indices. Quel est... Du sperme. Quel est le suspense. Donc mon esprit d'analyse, plus 3 au test de recherche d'indices. Vas-y. Quelle est la différence avec l'expertise des tests liés au métier de détective? Non, détective, ça serait plus pour faire des recherches sur des personnes. Détective, que des indices. Oui, ouais, c'est plutôt des indices. Indices, c'est plutôt sur le terrain. Détective, ouais. Ça serait plus des recherches. C'est plus des recoupements de pièces, de documents. Ouais, d'accord. Exactement. Ok, donc c'est donc j'ai plus 3, et ça serait sur quoi alors du coup sur... Et tu. Je sais pas si t'as vu, mais en plus t'es rapide. Temps de recherche d'indices divisé par 2. Ah oui, en plus. Ouais. Attends. Oh, ça va être sur l'observation, là, si tu veux observer des choses. Observation, donc perception, c'est quoi ça ouais. Perception. Perception. Ouais. Ah, là, là. En plus, c'est un pro de la perception. Leur petit jeu. Enfin, 18. Ouah, 18 plus 3 plus 6, du coup. Bon, 24. Ah oui, un très beau score. Donc, effectivement... Divisé par 2, divisé le temps. Ah oui, oui, oui. Alors, tu remarques, effectivement, ces traces... bleu de liquide là, qui vont au bord du pont, ensuite disparaissent puisqu'on est vraiment au bord du pont. Mais lorsque tu regardes en contrebas, il fait noir donc tu vois pas très bien. Sauf que en regardant avec ta lampe torche, tu aperçois une plaque de gel au niveau de l'eau. Contrebas. À tort, un glaçon. Une espèce de petite banquise quoi. Ouais. Et je prends. Ils sont combien là les mecs avec moi? Là, t'as une dizaine d'officiers. Une dizaine de. Ouais, peut-être pas autant. Et j'en prends deux avec moi, là. Hey, ouais. Johnson Burke, avec moi. Non, je ferais pas mieux d'appeler la navale, inspecteur. L'eau doit être à 0 degré. On descend, les appels, on descend. On va quand même vérifier. Bon, allez, vous avez entendu, les gars. Amenez-moi de quoi descendre. Oh, le mec, ils avaient fini leur tournée, là. Nickel truc. Pas de bol. Donc, effectivement, ils entament la descente. Lorsqu'ils descendent... Il y a quand même... on peut descendre quand même... Ouais, ouais, ils voilà. Arrivent, ils descendent le long du pont, donc... On a des équipiers pour ça. Ouais, mais Bullock dit qu'on n'a pas le temps, alors c'est à nous de nous y coller. Mais moi, j'ai le vertige, donc... Le mec se chie dessus, mais ils finissent bon en malant à arriver en bas. Qu'est-ce que tu fais une fois qu'ils arrivent en bas? Eh ben, j'essaie de voir de plus près... Toi, t'es en haut? Ah non, je descends avec eux. Hein. Oh, courageux, Bullock. Ah, ouais. Courageux, Bullock. Bon, tu prends le temps, t'arrives après tout le monde. Bon, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. T'as la fluviale qui arrive à votre hauteur. Effectivement, tu vois cette plaque de glace. Et sur cette plaque de glace. Le mec, là. Ouais. Comme s'il avait impacté une plaque de béton, quoi. Bla. Donc grosse tache de sang bleu. Ah mec, c'est éclaté sur la glace. C'est éclaté sur la glace. Ça tombé dans l'eau, puis a glacé le truc. C'est si, non, sur la glace. Pardon, ah. Il s'est éclaté. Ouais. Tombé dans l'eau et ça. Tombé dans l'eau et ça. Ça l'a congelé, figé à l'intérieur de son impact. Ouais. D'accord. Récupérez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et y en a un qui approche avec son gant et tu vois sur son gant. La glace qui commence à monter. Touche pas si tu veux pas perdre tes doigts. Gaffe au crayon. Utilise des rames. Du coup, ils ont des espèces de... La fluviale remonte, effectivement. Avec des espèces de... Tu peux le remarquer. Ouais. Essayer de le remarquer. Ouais, okay. C'est ça. Essayer de la reponner un truc et de le ramener, quoi. Toi, depuis les infos de Gotham et en ayant accès aux véhicules, notamment hélico, etc., qui sont en train d'observer la scène, depuis la caméra d'un hélico, tu vois effectivement la fluviale avec ce groupe de policiers qui sont rassemblés et cette espèce de peut-être îlot de banquise avec un corps qui semble figé à l'intérieur. Ils sont en train de le remonter sur un des bateaux de la fluviale. J'imagine que la définition d'image n'est pas suffisante pour que je puisse identifier... Si, la... tu peux zoomer. C'est de la canne. Tu peux zoomer. Donc, tu arrives à zoomer avec la caméra. Bon, après, c'est pas... Voilà. Ouais, je sais pas si je peux identifier le corps. Quoi. Alors, en zoomant avec la caméra, tu essayes de faire quelques shoots d'écran. Ce sera peut-être possible d'identifier, mais difficile. Je lance une reconnaissance faciale sur l'ordinateur. Voilà. J'attends. Tu lances. Donc, difficile parce qu'en fait, il s'agit d'essayer de capturer... des bons shots, donc c'est une bonne idée. Fais-moi un jet de intelligence. Super.
15. Ok, donc tu fais plusieurs shoots d'image et t'arrives en lançant l'identification faciale à a priori identifier un individu. Carlos Martinez, ancien pompier de Gotham. Monsieur Grayson, est-ce que vous me recevez? Tu le reçois. Non, attends. Continue. J'aime le son. Je réponds pas. Voilà, il est en train de marcher devant l'échangeur. Je ne crois jamais au premier. Il est en train de marcher sur l'échangeur avec la patte un peu... Oui, Alfred. J'ai réussi à identifier la personne suspecte qui avait pris contrôle du véhicule. Il s'agit de un certain Carlos Martinez, qui était anciennement un pompier de Gotham. Carlos Martinez, je me souviens. Tu l'as mis en cabane, il y a tout. J'ai fait une demande. Il a mis le feu à un immeuble, l'enfoiré. J'ai lancé une recherche sur l'ordinateur pour obtenir plus de détails à propos de cette personne. Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai lancé une recherche sur l'ordinateur pour essayer d'avoir un maximum de détails sur cette personne et voir si elle était liée de près ou de loin aux expériences du Dr. Friss. Et T'as lancé là. C'est sa recherche, la merde. Oh, j'ai une barre bleue là. On capte mal dans la Batcave, merde. Et pas fibre. Il était affecté à la caserne de Columbia, dans le Midtown, et il a été radié. Il a été radié il y a 3 ans de cela pour instabilité psychologique suite au décès de sa femme et de sa fille dans un incendie d'origine accidentelle apparemment dans un théâtre de North Point. North Point. North Point. C'est sûrement sud. North Réfrigération. Ouais, est-ce que c'est toujours dans la continuité ou est-ce qu'il y a des laps de temps? Non, là c'est dans la continuité. On peut dire, tiens, là, paf, on était fin de journée. On peut se reposer. Et si à un moment donné vous dites, moi ce soir, stop, j'arrête. Ah bah là, je pense qu'il va rentrer à Vocam que je vais le pistoler. Là. Tu fais des pauses. Ouais. Donc, North Point. Décide de rentrer. Ouais. Donc tu rejoins Alfred. Voilà. Tu pars dans l'idée de retourner au manoir. Et voilà, tout à fait, pour me reposer. Et au lendemain, on irait enquêter dans la caserne. D'accord. Et pas North Point. Et pas. Qui est situé, vous avez vu North caserne Point. Caserne de Columbia. Non, mais le plan, vous n'avez pas besoin de tout situer précisément. Non, on aurait pu une idée, mais savoir. Ouais. Caserne de Columbia dans le Midtown. Donc, il entame de revenir. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Moi je vais. Le corps normalement va être ramené au GCPD, au médecin légiste. Donc avant d'aller au GCPD, je vais voir Martha à l'hôpital. Ok, donc tu vas voir Martha à l'hôpital. C'est trop massé un coup de. Elle est, je me remets la cravate. Donc tu vas à l'hôpital, effectivement, lorsque tu rejoins, bon, on te connaît, hein, à l'hôpital, tu présentes ta plaque d'inspecteur. Martha, effectivement, a été mise en repos dans une chambre, et lorsqu'on t'indique effectivement l'étage, tu comprends qu'elle est réanimation. Bon, attends un moment. J'attends un petit moment et. Non, mais sinon, je dis. Est-ce que potentiellement je pourrais la voir dans la nuit ou non? Je dis que non, désolé. À ce moment, l'équipe médicale s'affaire pour essayer de la réveiller, nous vous tiendrons au courant. Appelez-moi quand elle sera réveillée. Du coup, je me mets en direction du médecin légiste. D'accord. Donc tu retournes à la morgue ou c'est au GCPD? Oui, ça va être à la morgue. Ça va mais c'est dans le GCPD ou c'est à l'écart? Non, c'est à la morgue. D'accord. L'hôpital. Ouais. À l'hôpital. Bah, j'y suis direct alors. Ouais. Non, mais après, par contre, il va y avoir les criminels. Enfin, faut du temps. Non, mais je veux voir. Tu rejoins, effectivement. Pour donc voir tu suis. Le corps. Effectivement. Et le corps arrive, effectivement. Donc tu rejoins à la morgue. Le corps. Je réveillais Martha jusqu'au petit matin. Le corps est arrivé et t'as les légistes donc. Même pas du coup. C'est un coup d'un demi-sourd, rien du tout. Les légistes qui ont reçu le corps. Donc on leur pose le corps encore figé dans la glace sur la table. Et donc. Ça me parle, ça, non? Ah bah. Ouais, j'ai eu affaire quand même à Freeze. Ouais, vite fait comme ça. C'est un garçon qui ne manque pas de sang. Que tu ferais rapprochement. Oui, tu sais qu'il y avait un psychopathe qui avait semé le trouble dans Gotham il y a quelques temps de cela et qu'il avait fait la une des quotidiens de Gotham parce qu'a priori il avait
essayé de geler la ville. Il avait essayé de geler, non, il avait eu la maille à partir. Il avait effectivement lui associé des pouvoirs liés à la maîtrise du froid. Mais moi, Belloc, il est pas du tout dans le truc. Pas versé trop là-dedans. Mais en faisant des recherches, tu trouves ça. Enfin, c'est un criminel qui est connu, quand même. Voilà. Ouais, non, mais voilà, et quand même, il sait que c'est un mec quand même, qui a essayé de geler les gens. C'est un mec qui est connu, voilà. Victor Fry, qui travaillait cryogénique. Voilà, et qui manipule effectivement la technologie cryogénique et qu'il avait causé du trouble à Gotham avec ça. D'accord. Des tarés. Okay. Des nombreux tarés. Tarés dégénérés. Il est recherché. Tout ça, Arkham. Il travaillait pour Gotacorp. Il a été renvoyé. D'accord, donc bon, j'ai moyen de récupérer des photos du visage ou quoi pour moi faire mes recherches, parce que ce qu'ils savent eux, moi je le sais pas forcément. Donc, t'es dans le local du légiste, Patterson, ouais. En train de finir, et il est en train de regarder, il fait « Oh non, bordel de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« Vous l'avez ramassé dans un congélo ou quoi celui-là ?»« Ah, il est tombé dans le fleuve. » George Patterson, 40 ans de métier dans le légiste. Ah, légiste de père en fils. Vous êtes censé fumer au-dessus d'un corps. Ouais, effectivement. Vous voyez la bouche. Belloc, vous n'êtes pas censé fumer dans ce local. C'est pas moi qui fume. C'est le légiste. C'est le légiste. J'ai pas encore allumé. Ah, j'ai cru que t'avais sorti ton cigare. C'est le légiste, c'est pas d'accord. L'autre, il a le cigare, c'est moi qui prends que les. Le légiste ne fume pas, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de sérieux. Ça va. Le légiste ne fume pas, donc il est en train de regarder. Et Doc, ça vous rappelle rien? Un particulier. Oh, si ce n'est effectivement quelques victimes qu'on avait croisées il y a quelques années de cela sur le passage d'un certain Victor Fries. Quelque chose. Il manipulait les énergies cryogéniques ou technologies du genre. Et avant que le schlum chauve-souris ne l'arrête, il avait fait plusieurs victimes. On a retrouvé deux officiers qui étaient figés dans la glace. Ça ressemble beaucoup à cela. Par contre, cette substance bleue paraît bien étrange. Ça aurait pu dans combien de temps? Je dirais que ça vient de l'intérieur de son corps, comme si c'était son sang. J'aurais du mal à en dire davantage. Je vous cache pas, monsieur Belloc, qu'avec les équipements datés que l'on a ici, on ne pourra pas aller bien loin dans l'enquête de cette substance. Il nous faudrait des moyens technologiques que nous n'avons pas. C'est là que vous intervenez, les mecs. Bon, rappelez-moi dès que vous avez du nouveau. On va faire les recherches déjà pour commencer à identifier cet individu. Bon, amenez-moi de quoi faire fondre cette glace. N'importe quoi, du chauffage, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main. Bon, du coup, je me rends au hôtel de police. Et j'ai pu prendre une photo du visage du mec, c'est possible. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mmh. Bah, j'essaie de faire de mon côté des recherches sur les différents. Ok. En faisant sur son sa vie à ce mec, ce qui lui arrive. Faisant des recherches, on te dit. Ok. On va faire la recherche. On devrait avoir la réponse d'ici 2 ou 3 jours. De quoi? Ben, le rapprochement avec le fichier. Putain, 2-3 jours? Bah oui. Bah t'es pas la Batcave, mec. Ah la vache. Non, mais ils ont un ordinateur, ils tapent un truc, une photo, reconnaissance. Il est vieux, mais bon, gars. Faut qu'il y ait le personnage. Mais dans le Gotham gothique. Hein, d'abord, t'as des. D'abord, je vais sur le toit où il va Gordon. La prochaine. Amène-toi, connard. Parce qu'il faut remplir un formulaire pour les demandes d'identification. Il y a une personne qui s'occupe de ça et t'es pas la priorité des priorités. Enfin, sauf si tu fais jouer un peu tes relations pour remonter le dossier. Et puis c'est les ordinateurs de la ville. Hein. Donc tu peux faire jouer tes relations. Tout à fait. C'est ce que j'allais te dire. Parce que t'es pas sur le dessus de la pile. Hein. Je peux faire appel à un ami. T'as quoi? T'as corporatisme, peut-être ça peut t'aider. C'est ce que je viens de te dire. Ou appelle un ami. Non, j'ai appel à un ami, j'ai le droit d'appeler un ami. T'as vraiment ça? Oui, j'ai le 50-50. J'ai le 50-50 et un appel à un ami. Ok. Si là, il n'y a pas une référence cachée. Donc, demander l'aide d'une connaissance. Alors, fais-moi. Alors, c'est quoi ta demande? Précise pour savoir la difficulté. Test de volonté. Quoi t'as demandé? Du coup, j'ai avoir un Mac. Qu'une info qui je pourrais connaître, qui pourrait m'aider. C'est pas tant qui, on va l'identifier, c'est dans les règles, tu as un ami qui pourra t'aider. Mais éventuellement, tu cherches des gens qui se seraient échappés récemment d'un hôpital psychiatrique, quelqu'un qui est recherché pour s'être échappé de quelque part. Voilà, Non, mais d'un hôpital psychiatrique, genre de Arkham ou d'un truc comme ça. Ok, voilà. D'accord, ok. Alors vas-y. C'est le seul hôpital psychiatrique, ça. Fais ton jet, c'est assez facile, hein. C'est d'aider. Allez.
Moyen, 10. Alors, 13, très bien. Le Joker s'est échappé. Et d'autres psychopathes d'envergure beaucoup moindre, mais qui ne te semblent pas en rapport direct avec l'enquête. Aucun rapport avec ça. Pyromane, escroc, assassin, tueur en série, un homme qui collectionnait des poupées et qui... je sais pas, c'est un peu plus gosse, mais voilà. Bon, mais pas de lien direct. Et le plus emblématique, effectivement, le Joker qui s'est échappé au bout d'une nuit. J'éteins et dodo. Je prends la direction de mon petit appartement. Ok, très bien. Tu prends la direction de ton petit appartement. Donc toi, le soir, tu retournes au manoir. La nuit passe. Toi, tu vois Dick Grayson qui revient. Tu peux... J'ai préparé le nécessaire médical. Très bien. Alors fais-moi un jet pour le soigner de ses quelques blessures. Donc tu te retrouves dans le hall du manoir, dos nu. Un homme s'approche de toi pour soigner tes blessures. Je vois que vous avez pris les mauvaises habitudes de Monsieur Wayne. Ah oui, effectivement, t'as pris des traçasses, là, mon gars. Là, tu vois tous les trucs que t'avais pas vus pendant la nuit. T'es complètement bleu, tu t'es ouvert au niveau du coude, il y a une blessure à la cuisse que t'avais pas vue, tu t'es déchiré la combi sur la toile. Ah, frère, vos commentaires ne m'aident pas. Peut-être que ceci vous aidera. Ah. Allez, fais-moi ton jet de médecine pour essayer de soigner notre ami. Si il va me rater. Il va te couper le coude. Et en vrai, il y a plein de petits soucis. Tu peux faire secouriste. J'ai secouriste de médecine, en fait. Ouais. Un des 6 plus 5 points. Un des 6 points de vie. Et tu fais lui, un jet. Lui, il aura plus 5. Son test. Alors, jette un des 6. Grâce aux compétences d'Alfred. Tu récupères un point de vie et tu fais ton jet de constitution. Donc fais-moi un jet de constitution. 3, 12. 12, t'avais combien en constit? 16. Ah non, mais tu jettes 2 dés. Ah, t'as 2 dés, toi. Le médecin, ça va lui faire regagner le double des points de vie normaux après un repos, en fait. Ok. Non, 12, 13. Bon, 13. Ah, bah, tu récupères, t'as récupéré combien de points? Tu vas récupérer 6, plus de 6 points de vie, là, tu vois. Ah bah alors, je récupère, oui. C'est bon. Grâce aux soins prodigués par Alfred, un bon petit thé, tu récupères l'intégralité de tes points de vie. Je suppose que vous en restez là pour cette nuit. Le lendemain matin, que décidez-vous de faire? Tu te réveilles. Lorsque... Alors tu apprends comme première information... T'as relancé. Je suis filmé là. On peut la refaire parce que là, j'étais pas dedans. J'étais pas prêt. Maquillage. Je suis pas imprégné du personnage. Martha est dans le coma. Oh putain. Elle a été placée dans un coma artificiel. On essaye de trouver une solution pour la réveiller. Le pronostic vital est quand même engagé. Ah quand même. Elle est sous respirateur. Le choc... L'impact a été assez violent. Ça va être chaud de lui faire aimer les mecs en pyjama. Vous, qu'est-ce que vous faites? Ed. Oui. Je vais porter un... Tu lui amènes le thé. Bien sûr, tu me vois. Thé et des petits gâteaux. Nous avons pris, je crois, 2-3 informations sur Carlos Martinez. En effet, il a été placé en... Il est affecté à la caserne de Columbia, dans le Midtown, et il a été écarté pour instabilité psychologique. Juste été viré, c'est tout. Ouais, parce qu'on a considéré qu'il était trop instable pour continuer à assurer ses missions suite au décès de sa femme et de sa fille. On a mis fin à son contrat dû à une tragédie familiale. J'essaie de voir s'il n'a pas eu des liens avec... différentes expériences qui ont pu être menées par le passé, mais c'est assez vague, donc ce n'est pas évident à trouver. Il nous faudrait un prélèvement peut-être de tissu, de peau, de quelque chose. Je vais me rendre à la caserne. Travailler. Très bien. Qui est située. Tu retournes à Midtown, tu arrives à la caserne Columbia, caserne des pompiers de Columbia. Ils sont en train de nettoyer des véhicules.
C'est le matin, et voilà, les pompiers, la caserne est ouverte, ils sont en train de nettoyer les véhicules d'intervention. Ah, donc t'es en Dick Grayson, évidemment, t'es pas en pyjama. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Excusez-moi, messieurs. Ça, excusez-moi. Je vous ai amené des petits gâteaux. Je vous ai amené des croissants et... Bonjour les gars, ça va, en forme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur? J'ai deux, trois questions, si vous voulez bien me répondre. Ah, je vous conseille de voir avec le commandant, enfin, ça dépend ce que vous voulez. Que vous connaissiez un certain Carlos Martinez. Une voix émerge de l'arrière d'un des camions de pompiers. Un homme bourru descend avec des favoris, une grosse moustache, sûrement un des commandants de l'unité. Carlos Martinez, 3 ans qu'il n'est plus parmi les nôtres. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il enlève ses gants, il les jette par terre. Il est en train de se déséquiper, il a du noir là au niveau des... Il est intervenu a priori sur un échangeur la veille suite à un incendie. Apparemment, Carlos, vous le connaissez? Oui, un des meilleurs pompiers de l'unité, si vous voulez mon avis. Et après ce qu'il a vécu, on ne pouvait que l'écarter. Un drame familial. Il a perdu sa femme et sa fille dans un incendie. Mais pourquoi ces questions? Personnage, c'est pas grave. Non. Vous êtes quelqu'un de la famille? Un ami. Et vous savez où il est? Non, je le recherche. Je peux m'en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les collègues à nous l'ont aperçu. Il traînait près de Gotham, le vieux Gotham, avec les sans-abri. Plus de domicile, plus d'argent. Je pense qu'il passait ses journées à noyer son chagrin dans son alcool. Il a bien essayé de lui venir en aide, mais pas moyen. Un homme veut toucher le fond, il y arrive. Je vous remercie. Tu vois, il te regarde d'un air étrange en demandant pourquoi toutes ces questions. Ah ouais. Il te lâche pas du regard, toi, et tu sens que dans sa tête, c'est... Qu'est-ce que c'est ce qui... D'où il vient? Qui c'est ce qui... Ouais, peut-être. Avant de partir, je me retourne, je leur pose encore une dernière question. Récemment, vous ne l'avez pas j'ai vu. J'ai oublié. Ma femme. J'y pense là d'un coup. Ça fait 3 ans qu'il ne travaille plus, mais vous, vous êtes peut-être encore en relation. Vous ne pouvez pas me... Non. Rien. Rien du tout. Je pense que tu peux dire. Bon courage pour vos recherches, et si vous le recroisez, dites-lui qu'il est toujours le bienvenu. Une bière fraîche au frigo. J'y manquerai pas. Tu pouvais aller voir les clodos, je pense, non? Bah là, il a pas le costume. Toi, on voit pas à travers ses yeux, je sais pas ce qu'il sait. Non, ah, mais t'es en liaison. Petite oreillette. Ouais, petite oreillette. Bluetooth. Je pense que cette nuit, il faudra peut-être rendre visite à nos amis sans-abri pour voir s'ils n'ont pas été approchés par quelqu'un qui mène des expériences étranges. Quant à toi, t'as un petit bat ordinateur que tu peux avoir sur l'avant-bras pour être en correspondance avec la Batcave, hein, sans être sur place. Il a envie que tu sors de ta. Non. Ah non, pas du tout. Jamais vu Alfred en dehors du manoir, moi. Ça n'arrive jamais. Ça peut s'y enlever. Mais c'est un vampire, le mec qui sort. C'est vrai que qui va tenir la maison quand il endort du manoir, c'est qu'il s'est fait enlever. C'est compliqué. Ce que j'aimerais bien, si c'est un prélèvement sanguin de la victime, mais comment se rendre à la morgue quand on est insu. C'est facile, moi je ne pourrais pas. J'aurais difficilement accès à la mort. C'est ça aussi, c'est que moi j'ai pas. Ah, excusez-moi, j'ai laissé le micro. Oh, il y a quelques noms, le Alfred. Je crois. Oui, il est très discret. Voilà. Il est très discret. Moi, il est furtif. Mais je vais me rendre, effectivement, tu as raison, au quartier des sans-abri. Même si c'est extrêmement dangereux pour une personne comme moi. C'est clair. Je pourrais me faire poignarder. Ah, bah attends, je pense. Ah, qu'arrive-t-il? Mais il est vieux, c'est un ancien membre des forces spéciales, mais il est vieux. Un ancien des forces spéciales quand même. Petite pièce, s'il vous plaît. Non, me touchez pas, mon dieu. Monsieur Wayne. Si c'était le Alfred Danien, oui, dans le comics, c'est un fou, il se tabasse et tout, mais là. Très bien, donc tu vas dans les quartiers un peu hobo de. Un peu de. Old Gotham. Du vieux Gotham. Donc le vieux Gotham, centre-ville historique, c'est là où se trouvent notamment la Wayne, les locaux de la Wayne Company, et quelques
parmi les immeubles les plus emblématiques de Gotham. Je mets des frusques. Hein. Oui, je mets des frusques. Ah oui, oui. Pour te faire passer pour un local. Ce qui, voilà, ce qui te trahit, c'est l'écharpe. L'écharpe, ça fait trop distinguer. Donc, alors, pluie battante, jour de pluie continue. Gotham. Effectivement. Et tu es, arrives en direction des quartiers, effectivement, un peu laissés pour compte du vieux Gotham, où traînent beaucoup de sans-abri. Tu as une photo, évidemment, hein, du gars que tu as sorti, j'imagine, peut-être. Oui, pour essayer de monter. Alors j'essaie d'identifier un peu des gens qui sont un peu plus amènes que les autres. Je sens une petite vaillante. Je vais éviter les toxicos, les trucs. Bon, il te semble voir effectivement un des sans-abri qui a l'air un petit peu plus alerte que les autres. Pas de généralité sur les sans-abri, ils ne sont pas tous complètement... Bien évidemment, loin de nous l'idée de... Voilà. Donc en tout cas, qui est voilà, un petit peu moins dans la dépression, on va dire, continue de sa situation, enfin en tout cas, est plus à même de parler. Donc il a une petite pancarte, là, il est établi sous l'échangeur, ça fait sûrement des années qu'il est... Est-ce qu'il fait l'aumône ? Hein ? Est-ce qu'il fait l'aumône ? Oui, tout à fait. Je lui glisse quelques pièces dans sa gamelle. Oh, merci, monsieur. Il est sous sa... Tu vois, il a une petite toile. Je vais m'accroupir. Donc il a une espèce de, tu sais, de truc en toile, en carton, là. On l'a dit, picole dedans. Je m'accroupis. Mais de rien, mon brave. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je recherche cette personne. On l'aurait vu ici dernièrement. C'est un ami à moi et je n'ai pas de nouvelles depuis des mois. Il aurait été licencié et il n'a pas d'adresse fixe. Ok. Regarde son petit carnet. Attendez. On parlait de qui, là ? Ah, on dirait Carlos. C'est ça, Carlos Martinez. On dirait Carlos sans la barbe. Vous ne sauriez pas où je pourrais le trouver, par hasard ? Carlos Martinez, ça lui arrivait de traîner le plus souvent. Il ramasse quelques pièces, là. Et puis, quand il a de quoi faire, ben, il va se prendre à boire au droit de bord. Et... Mais dernièrement, il avait l'air d'avoir touché un peu plus d'argent. Il a offert une tournée à tous les collègues. Vraiment ? Ouais, il a peut-être gagné à la trine de Gotham, un truc dans le genre. Oh, pas un gros lot, hein. Il va faire une tournée. Hein. Vous n'auriez pas vu quelqu'un de... quelqu'un d'étranger tourner autour du quartier, quelqu'un qui n'aurait pas sa place ici, à part moi, bien sûr. Ah si, il y a des gars qui traînent en ce moment, là. Ils viennent souvent discuter avec nous, ils nous ont payé des coups à boire. Mais moi, je me méfie. Vous avez bien raison. Je me dis que ces gars-là, ils peuvent pas nous payer des coups à boire comme ça pour rien. Et je pense que Carlos a dû se mettre en cheville avec un d'eux. Vraiment ? Mais je vais peut-être réviser mon jugement. Après tout, il y a peut-être des bons samaritains qui veulent nous sortir de la rue. Parce qu'a priori, la fluviale de Gotham, et notamment toute la maréchaussée, a dit qu'ils avaient mis quelque chose en place pour nous sortir de la misère. Mais c'est très compliqué. Moi, ils avaient fait un contrat d'insertion. Mais ils ont dit qu'à cause de... quelques pièces dans la gueule. Je vous remercie pour votre aide, monsieur. Et... C'est-à-dire qu'avec ma vieille blessure, comprenez bien que moi, bien j'ai évidemment. Mais ils m'ont proposé un poste, mais je peux pas monter sur le terrain pour aller changer. Hey, n'hésitez pas à revenir, hein. Est-ce que ce quartier est sous surveillance ? C'est-à-dire ? Une surveillance caméra, oui. Très bien, très bien. Je vais essayer de voir si je peux récupérer les vidéosurveillances de celle de la semaine passée, par exemple, voir si je peux identifier des gens étranges qui seraient venus. Déjà identifier Carlos, si j'arrive à l'identifier lui, et éventuellement des gens qui seraient venus lui parler, des gens qui dénotent dans le truc. Alors tu n'arrives pas à identifier. Par contre, tu remontes donc les caméras de sécurité sous une semaine. Mm-hmm. Et moi, j'ai de perception. Alors tu es à la terrasse d'un café du vieux Gotham, n'est-ce pas ? Tu es en train de compulser sur ton bat PC. Sur ton bat PC, là. Bat PC. La terrasse à café. Et moi, j'ai de perception. Alors, ça nous fait du pas grand-chose. Ça nous fait du 12. Très bien. Superbe. Tu...
Rien de particulier, effectivement, si c'était qu'effectivement tu aperçois à plusieurs moments de la vidéo des gens qui sont en discussion, qui se rapprochent de ces gens là, ces sans-abri, et qui semblent entrer en discussion avec eux, et à un moment donné, sur une des caméras, tu aperçois un sans-abri qui est traîné par deux hommes à la faveur de la nuit, tiré de son carton, comme ça. Le mec est comme ça avec sa bouteille et il glisse. Il des caméras de sécurité. Ah ouais. Je garde une épreuve de ce moment-là. Mm-hmm. Et je transmets, si c'est possible, des informations à Vic. Donc effectivement, il te transmet les informations sur ton portable. Il t'envoie la fameuse partie vidéo caméra de sécurité où on voit... deux individus qui semblent regarder de droite et de gauche, et comme s'ils capturaient ce sans-abri en sortant de ses cartons. Vraisemblablement, des gens peu amènes capturent des sans-abri pour y effectuer des expériences. Je pense qu'il faudrait garder ce quartier sous surveillance cette nuit. Mm-hmm. C'est la nuit qu'ils sont venus chercher, j'imagine. Oui, ouais. Oui, bien sûr. Là, on est au petit matin. Petit matin, il pleut petit très matin, fort. Il pleut. Quand ils attendent la nuit. Ouais, ils viennent que la nuit. C'est là que tous les chats sont vus. Entre temps. Il y a des chauves-souris. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Toi, tu ne dis rien. Mais si la journée c'est difficile, mais je ne cracherai pas sur un petit prélèvement sanguin. Et je ne suis pas très, très doué sur ce genre de choses. Belloc, oui. Tu arrives au commissariat, au centre du GCPD. Alors, Belloc, sacré nuit, dis donc! Tu t'es fait chourer ta tire, Belloc. Calmez-vous, les gars. M'en parle pas. Et tu vois qu'il y a quelques officiers qui essayent de calmer des collègues sur les blagues parce qu'ils comprennent que ce soir, t'as vécu un événement assez dur. Deux, trois officiers avaient compris que tu t'étais rapproché de la victime. Ouais. Donc, les blagues vaseuses du matin, normalement, ça se calme et tu sens qu'il y a une espèce de... Voilà, vous avez des nouvelles sur notre glaçon. Oui, apparemment, il s'agit d'un certain Carlos Martinez. Et on a retrouvé une photo de lui. Alors, tu vois quelques photos, et notamment une où il est en compagnie bien rasé, de près, avec une femme et une petite fille, qui a un casque de pompier sur la tête. Feu, sa femme. Voilà. Et on te transmet les informations qu'il était à la caserne de Columbia, qu'il a été mis à pied pour instabilité psychologique menaçant la stabilité de son équipe. Et donc, risque en intervention. Du coup, il a été radié de l'ordre des pompiers. Et ça a suivi effectivement un incendie d'origine accidentelle au théâtre de North Point. Et c'est là où il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme et ses enfants qui étaient allés voir un spectacle pour enfants. Ok. Bon, bah écoute, du coup, je me mets en direction de la caserne aussi. Ok. Ah oui, c'est bon. Donc t'arrives effectivement à la caserne. Tu veux dire, tu as quelqu'un qui est venu enquêter, ça va te rapprocher de nous. Exactement. Voilà. Là t'as un exercice qui est lancé à la caserne de Columbia, donc de jeunes pompiers qui sont en train de faire des simulations et d'être chronométrés. Ce site est une descente de police. Ils sont en train d'être chronométrés pour tout simplement remonter des lances à l'incendie du véhicule. C'est beaucoup trop long les gars, on l'a refait, allez bougez-vous. Excusez-moi monsieur. On est en plein exercice, là. Sur ma plaque. Police de Gotham. J'aurais quelques questions à propos d'un certain Carlos Martinez. Carlos Martinez, vous aussi? Comment ça, moi aussi? Bon, les gars, pause. Il va vous accompagner à son bureau. Quelqu'un d'autre est venu me voir. Ah bon? Qui ça? Un jeune blanc bec, à l'air sûr de lui, avec un billet en cuir de motard. Vous pourriez me le décrire? Je te le décris un petit peu, effectivement. Très bien. Il signale rien de particulier, mais voilà. Il a posé des questions, mais qu'est-ce que vous lui voulez à Martinez? Ça fait 3 ans qu'il est plus là. Et pourquoi il est plus là? Il a été mis à pied. Instabilité psychologique, qu'ils disent dans le rapport. À cause de son accident dans sa famille? Je dois que vous êtes renseigné. Oui, ça. Yeah. Je vois pas ce que je peux vous apprendre de plus. Vous l'avez pas revu depuis, sa mise à pied? Vous savez pas où il traîne? Oui, du côté de vieux Gotham. Je crois qu'il traîne avec les sans-abri, si vous voulez mon avis. Il est sans domicile fixe. Et depuis 3 ans, on n'a jamais eu de nouvelles. Quelques collègues ont tenté de l'approcher, mais
Il n'a jamais voulu renouer. Je pense qu'il voulait se laisser seul. Seul. Je vous remercie pour ces précieuses informations. Ouais, mais bon. Ainsi. Je vais vous les parler tout à l'heure. Non, mais je verrai après. Je verrai après. Ah oui, si tu veux utiliser un pouvoir spécial. Non, j'ai un truc de détective, mais Eh ben, ton flingue. Petit truc comme ça, petit tour que j'ai appris à l'école de police. Bon, je sors mon flingue. Alors, vas-y, tu me dis tout ce que tu sens, tu vas lâcher le bas. Tu sais, ok. Petit, t'as quelque chose. Parle, je te casse le bras. Je te fais sauter le caisson sur le capot du sac. Comme un casino royal, là, que les couilles, mec. Ils ont des cordes. Les pompiers, ils ont des cordes. Ouais. Non, je déconne. Ouais, ouais, d'accord, tout à fait. Bon, bah lui, de toute façon, il... Ouais. De toute façon, je sais à peu près ce qui s'est passé. Qu'il a mal fini et tout, donc c'est pas lui qui va me plus m'en apprendre. Donc du coup, je vais vers les... chez les Clodo. Pas chez les Clodo. Chez les sans-abri de Old Gotham. D'accord. C'est de voir... Pas choper le même, hein. J'espère ne pas choper le même. Non, non, sur les abris de Old Gotham, tu vois un homme, parce que ça s'est passé à peu près au même moment, avec une écharpe qui est en train d'interroger effectivement toute une série de. Enfin, qui est en train d'échanger avec des hobos et leur montrer des photos. Très une photo. Il dénote dans le quartier. D'accord. Je reste à distance. Il quitte la scène et apparemment se rend en direction d'un café du vieux Gotham. Et s'installe. Je m'approche du coup du dernier Clodo à qui. Enfin, du dernier sans-abri à qui il s'est adressé. Mmh. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Police de Gotham. J'aurais quelques questions concernant un certain Carlos pas Martinez. Moi. J'ai rien à voir avec ce que vous pensez que j'ai à voir, monsieur. Je passe toutes mes journées sous ce pont. Je sois bien clair. Je cherche je réclame des une tarte. Et tu... une tarte. Une tarte. Oui, j'ai une tarte. Ne me frappez pas, monsieur, j'ai rien fait. Je cherche une information sur un certain Carlos Martinez. Je sais qui c'est, Carlos Martinez, et vous n'êtes pas le seul à chercher. C'est-à-dire? Le monsieur avant vous, là, il m'a demandé la même chose. Et vous lui avez répondu quoi? J'ai répondu que monsieur Carlos Martinez était quelqu'un de très bien sous son rapport. Ça peut me faire croire que je ne l'ai pas capté, lui, quand même. Oui, va au plus... à la terrasse du dîner et à travers la baie vitrée, même s'il pleut. À l'essentiel. Il aperçoit avec son parapluie qui est en train d'interroger. Va à l'essentiel. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? La dernière fois que tu l'as vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une semaine, à peu près. D'accord. Je compte pas tellement les jours, vous comprenez bien. Est-ce que tu as vu un agissement, quelque chose de suspect, quelque chose de différent si, de... Il a payé à boire à tous les collègues. Il avait des fréquentations. Il a dû faire une bonne pioche, mais même à traîner dans le quartier comme ça, même je vois ceux qui ont la gueule la plus pitié du et monde. Et ça fait 3 semaines que tu l'as plus vu. On se met qu'on n'a plus de nouvelles, monsieur. Et donc tu dis que tu as dit ces informations. Il y a déjà quelqu'un avant qui a posé les mêmes questions que moi. Oui, le monsieur qui est parti en direction du dîner là-bas. L'espèce de mec avec l'écharpe. Oui, c'est ça. Bon, merci. Le montrez pas du doigt, il va peut-être être énervé et revenir me régler. Je cherche un peu dans mes poches et je trouve quelques petites monnaies. Je lui donne. Moi, dès que je l'ai capté. J'essaie du coup de retrouver notre ami avec l'écharpe. Ok. Eh bien, tu vas à l'intérieur du café. Personne. Un thé dont il reste le fond, quelques pièces, avec un pourboire généreux. Furtivité. J'ai duel de furtivité, que vous voulez que je vous dise, si vous voulez vous choper. Duel de furtivité. Ay caramba. Je prends le fond. Ay caramba. Toi, t'as aperçu de loin son manège, on va voir si... Ah, j'ai perception, j'ai... Bah, toi, tu vas faire un jet de dextérité, et toi, perception. Je déteste autres, recherche d'indices, non, ça sert à rien. C'est quoi, du coup, de la perception? Ouais. Moi, de la discrétion. Et toi, c'est de la discrétion, tout à fait. Et c'est quoi donc la discrétion, par contre? Ça va être sous dextérité, je pense. Ouais, ou perception. Non, ça va être plus sous perception. Ok. Ça réclame pas du contorsionnisme, c'est plus de l'intelligence. Ah oui, non, là, oui. C'est quoi, 16 ou 19, ça? 16. Et là, vu qu'il était occupé avec l'autre, encore plus un. Ouais, tout à fait. Donc je prends le plus haut des deux. Oui, quand t'as un atout, tu prends le plus haut des deux. Et 19. Voilà, s'il fait mieux. Ouh, ça va être difficile. Mmh. 14, 15, 16, 17. Plus ah, 5. C'est plus. T'as plus 5 parce que en plus toi. Ah non, tu mais c'est, de toute façon c'est gratuit parce qu'en fait j'ai plus de perception. Donc ça me fait 14. Mmh. J'ai plus 3, donc ça me fait 17. Et j'ai plus 4 au test de discrétion. Donc...
une tasse de thé avec un, con, hein. Avec un bon pourboire. Et si je claque un point de. Claquer, le maire, moi. Moi, j'appelle le maire, moi, monsieur. 10, je relance. Tapis. Ah putain, bah non, mais tant pis. Bon, cela dit, t'as j'avais un coup d'avance sur toi, ça m'a permis de. Que la descriptive correspond bien à l'homme et qu'il a quitté l'établissement. Eh ouais. Oui. Est-ce que tu peux, très classe, avoir laissé un mot ou quelque chose, hein, si tu veux. Bah, j'y réfléchissais justement, mais c'est que. En observant le manège, tu te doutais bien qu'il allait venir sur toi. J'ai réfléchi... des forces spéciales, Non, mais j'y réfléchissais à lui laisser un indice pour l'aider dans son enquête, mais c'est pas évident. Sans non plus complètement trahir pour qui je bosse, tu vois. Si je lui disais c'est un enregistrement de la vidéosurveillance, ça va forcément dire où il a accès à une telle ressource, tu vois. J'y réfléchis en plus. Je vais peut-être lui laisser sur la serviette surveiller le quartier ce soir. Tu vois ça? Ouais. T'as laissé sur la serviette surveiller le quartier ce soir avec le thé. Ah, tu fais une recherche d'indice. Non, non, c'est bon, tu vois. Ah, il est sur le vide. Putain, mais je suis pas con, je l'ai pas mis en dessous de la table, mon vieux. Est-ce qu'il y a sur le mouchoir dans une autre langue. Qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, tu vois ce. Donc, je trouve le papelard. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je le mets dans ma poche. Tu dois normalement retourner au commissariat. Enfin, normalement, t'es en poste. Il est quelle heure à peu près là? Là, c'est fin de matinée là. Ah, fin de matinée? Ouais. Bon, bah écoute, je prends cet indice, je retourne au commissariat, okay. Et j'essaie de, machinalement, même si je sais que je trouverai peut-être pas plus d'informations, de me renseigner sur l'informatique, sur Carlos Martinez, ok. Voilà. Bon, tu récupères des informations, mais pas grand intérêt, voilà, son passé universitaire, des petites amendes pour excès de vitesse, rien à dire. Par contre, effectivement, un parcours exemplaire chez les pompiers, décoré sur de maintes interventions, enfin... Rien qui t'alerte sur des liens particuliers avec le crime organisé ou autre. À partir du moment où il a quitté la caserne... Voilà. Tu retrouves les coupures de presse, effectivement, sur ce drame. Sur l'accident, ouais. Et, ouais. Ok. Moi, de mon côté, je vais enquêter à la morgue. Bip. Attends, avant que tu ailles, t'as... Encore un ? Oh là là. Hein, bon. Allez, j'y retourne. Quelqu'un veut m'accompagner ? Donc, ton collègue Bill Butler retrouve encore, apparemment, quand tu dis encore un, tu vois que ça l'excède. Ouais, Harvey, qu'est-ce qu'il y a? Passe. Encore une disparition de sans-abri au nord du vieux Gotham. Ça fait 3 depuis un mois. 3 disparitions? Tu as les noms des disparus? Non, la plupart sont sans identité. Compliqué, je vais aller sur place pour mener mon enquête. Je te retrouve là-bas. Avant d'y retourner, je vais j'appelle le légiste voir s'il a des nouvelles. Alors, donc tu appelles ton collègue. Il y a 40 ans de métier. Tout à fait. Alors t'entends qu'il a la bouche pleine. Il est interdit de fumer. Manger un donut par-dessus le corps. Quoi? C'est un sandwich. Que je voulais. Oui. Concernant notre macabre de la veille, apparemment il a subi une intervention chirurgicale. C'est-à-dire, quel niveau? Il a plusieurs endroits du corps, je pense que des sondes ont été branchées. En intraveineuse. Ils sont allés chercher les plus grosses veines. Qu'à 5 voire 10 cm par endroit. Vous avez plus d'infos sur ce liquide qui remplace son sang? Il a été injecté. De manière volontaire. Et vous avez une information sur la substance? C'est apparemment composé de globules blancs et de globules de couleur bleue. Des globules bleus. C'est comme ça qu'on a décidé de les appeler en raison de leur couleur. Ils gardent une image fluorescente à la lueur du jour comme de la nuit. Et vous arrivez à expliquer Ils sont capables de générer du froid de manière automatique, sans source d'alimentation extérieure, quelque chose qui nous dépasse complètement. Ça a été mis au point dans un labo à la pointe. Et on ne pourra pas aller plus loin dans l'expertise, étant donné qu'on n'a pas le matériel. Eh ben merci, je te remercie de ces informations. Ce qui est sûr, c'est que ce gars-là a été opéré.
Ok, bon, moi, avec ça comme information, j'essaie de voir sur l'ordinateur si je trouve des informations sur... Donc, tu envoies des photos du rapport, ouais. Tu as beaucoup de textes scientifiques. Je fais des recherches sur... Je fais des recherches. Et tu vois qu'effectivement, il a mis des traces de pod qui auraient été branchées sur son corps. Traces, en fait, où il aurait été injecté. Et effectivement, tu en as là, préparé assez intégralement sur le corps, voilà. Donc du coup, je fais des recherches sur l'informatique archaïque, hein, mais, sur tout ce qui est recherche de cryogénisation, etc. Ok. Bah, les seuls éléments que tu retrouves ramènent à Gotacorp. Gotacorp. Qui est en fait la corporation dans laquelle travaillait Victor Fries, qui depuis a été mis à pied et qui donc a été effectivement est considéré et recherché. C'est par Wayne. Voilà. Et qui recherchait pour avoir. Alors, ils ont fait des développements en matière de cryogénie assez poussés. Et Victor Fries aurait été écarté parce qu'il aurait détourné la technologie à des fins personnelles. Pour sa femme. Et en plus, il a été a priori victime de dégradation, atteinte corporelle et atteinte matérielle sur la ville de Gotham avec des morts dont il serait. Et cette société existe toujours ou elle Oui, est... Gotacorp existe toujours, mais c'est plus Victor Fries qui en est. Enfin, il n'était pas. C'était pas non, le. C'était un employé, mais ouais, c'était un chercheur assez brillant de la corporation. Dont certains, il avait eu des éditos qui consacraient le fait que sans lui, Gotacorp n'aurait pas connu. Il est quelle heure à peu près? Là, là, il est après-midi. Hein. Ouais, bien entamé. Ah ouais, le temps est-ce, de que, est-ce que j'ai le temps d'aller faire un saut à Gotacorp et d'être à l'heure pour aller chez les clones? Oui. Tu peux aller faire un saut à Gotacorp. Ben, je vais faire un saut. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je rentre au manoir. Ok. Je contacte Dick. Ok. Et tu m'as demandé d'aller prélever un échantillon. Donc toi, t'es allé au commissariat, effectivement. Bon, on entend, c'est sûr. Au commissariat. Ben, il a voulu prélever un échantillon, donc t'es allé. C'est à la morgue. Ah oui, à la morgue, pardon. À la morgue. Ouais. Est-ce que vous suggéreriez que je récupère les... J'ai croisé notre cher ami, l'inspecteur Bullock, durant mon investigation. Est-ce que vous suggéreriez que je récupère les données d'enquête qu'il a pu mener en me connectant au commissariat? Et c'est une excellente j'ai suggestion. Mis un putain de mot de passe. Attends, j'ai mis Bollocks. Bollocks Gotham. Big Bollocks. Big Bollocks. Bollocks Gotham 83. Bollocks date de naissance. Admin Bollocks. Moi, mon but, c'est de me rentrer au manoir et d'essayer de voir si je peux pas récupérer. Maintenant que je sais qu'il est sur l'enquête, oui. De voir si je peux pas récupérer là où il en est. Pour où il en est. D'accord. Gotham, il en éclate. Alors, tu vas effectivement sur les éléments du CPD, tu feras ta recherche là-dessus. Mm. Toi, tu décidais d'aller à la morgue. Discrètement, à la morgue, je okay. récupère. Alors, je prélève sur le corps. Alors, quand tu vas à la morgue, maintenant, il faut essayer de rentrer à l'intérieur de la morgue et pour accéder jusqu'au corps. Tu te doutes bien que, effectivement, il y a l'accueil et on ne te laissera pas accéder jusque-là. Quel stratagème tu mets en place? La morgue est située en sous-sol. Oui. Ouais. D'accord. Au sous-sol du bâtiment. J'ai passé pour un membre de. Non. Là. Une connaissance. Non, je peux pas. Non, discrètement, il faut que j'y aille. Hein. Ouais, ah non, tu fais comme tu veux. Rentrer. À toi de trouver. Ouais, tu rentres. Là, t'es dans le hall. Là, t'es dans le hall de la morgue. Il y a une réception. Inspecteur Grayson, discrètement, je passe les portes. Oh, comme ça, toi, je loupe discrètement. Eh ben, hop, honnêtement, si c'est comme Sainte-Anne, tu rentres. Okay. Personne qui te donc dit là, rien. Effectivement, tu rentres à l'intérieur, dans le hall où sont accessibles les visiteurs. Là, tu vois qu'il y a effectivement un accès, mais qui est fermé. Et il y a des officiers du GCPD qui font la fouille. Il faut justifier d'un rendez-vous à la morgue. D'accord. A priori, tu vois les gens qui rentrent, ils viennent avec des mandats spécifiques, sont des juges, des avocats, voilà. Ils viennent avec des documents qu'ils présentent, et à ce moment-là, effectivement, ils sont fouillés à l'entrée par des membres du GCCPD, pas des membres du GCCPD, par la sécurité. Si, sécurité de l'hôpital. Ouais, sécurité de l'hôpital, et ils rentrent à l'intérieur. Il n'y a que cet accès, je fais une recherche. L'accès que tu vois, c'est celui-ci. D'accord, ça c'est l'accès principal. Voilà, après... Est-ce que je peux passer par des canalisations Ah, sûrement, mais là, ce serait plus Alfred qui pourrait t'aider. Là, sur les aérations. Les aérations, ouais, la tout à fait. Donc là, vu comme ça, tu peux pas. Faudra donc avoir je contacte accès Alfred. Ouais. Monsieur Resson, je vous aider.
pourrais-tu, s'il te plaît, faire une recherche sur les plans de la morgue? Je récupère les plans de l'hôpital de Gotham. Vous désirez passer par les voies d'aération? J'aimerais atteindre le corps, effectivement, donc la porte étant protégée et surveillée. J'imagine. C'est possible, effectivement, par les voies d'aération. Vous avez une voie d'aération au niveau du parking qui se trouve aussi au sous-sol. Tout à fait. Tu peux y accéder. Par contre, il fait très froid, parce qu'il passe la clim à cet endroit-là. Je vous conseille de porter une petite laine. Voilà. Mets mon petit costume magique. Pourquoi tu es magique ? Dans une cabine téléphonique. Donc, et deviens Nightwing. Tu te mets en Nightwing, et donc effectivement, ta combinaison, en plus de te protéger, te permet de supporter les écarts de température. Haute technologie. Merci la Wayne Enterprise. Et tu te glisses dans les canalisations, enfin dans les canalisations, dans voies de circulation, pareil, de climatisation. Vous foutez dans les égouts, monsieur Ressin. Vous allez rester coincé. Je vais rentrer avec qui la très facilement dans les canalisations. Fais-moi un jet de discrétion, donc de dextérité. Attends, j'ai plein de spécialités. Ah bah vas-y, ça va partir en gymnaste. Spécialité gymnaste. Oui, parce que pour un test de gymnastique. Ouais, rajoute ça parce que c'est pour se glisser dans les. C'est du 20 plus quand même. Ouais, du 15 plus même. C'est une activité sportive quand même. 15 plus, ouais. Se balader dans les. Donc tout ce qui est sur l'agilité, c'est ton truc. C'est sur là, je peux pas cumuler les. Non, tu choisis. Tu choisis. Bon, c'est plus 5, plus 5, c'est pareil. C'est du 15 plus. C'est plus ça, je pense, parce que ça, c'est plus pour faire des esquives. Sportif accompli, plus 5 à tous les tests liés à une activité sportive. Bah, carrément, oui. Parce que là, t'as de la def en plus, ça, c'est plus pour faire des esquives. Tu te hisses, tu te contorsionnes, tu fais ceci en plus. Et je suis, et attention, et je suis très souple, donc plus 1 au test de dextérité. D'accord, vas-y. Donc je suis à plus 6. Vas-y. C'est du 15 plus. Combien il a fait ? 19 plus 11. Oh papa. 30. Donc t'arrives à te glisser dans les canalisations, tu circules dans les canalisations. Dans les gaines d'aération. Dans les gaines d'aération, tu circules avec grande facilité. À un moment donné, tu es coincé par une hélice qui brasse l'air, une intervention extérieure pour pouvoir te permettre d'accéder. Clic-clic. Fais-moi un G, bon c'est du 10 plus. Bah arrête de demander d'être intelligent, je suis pas intelligent moi. 10 plus. Non mais attends, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je fous d'un ordinateur? Si tu te loupes, l'hélice elle accélère. Monsieur Wayne, venez à mon secours. Monsieur Wayne, contrôle là-dessus. Hop, 15. Oh, donc il te permet de négocier ce passage et tu arrives effectivement par une grille d'aération au-dessus Barbara Gordon. De la salle dans laquelle est entreposé le corps apparemment de Carlos. Donc, il y a personne dans la salle, hein ? Si. Il y a des légistes qui sont en train de faire une intervention et tu vois qu'ils sont en train de fermer un coffre dans lequel, apparemment, est entreposé le corps de Carlos. Il fait très froid. Je vous entends dire. C'est dingue, le froid qui règne ici. Je te dis que ça vient de lui. J'espère qu'on va vite se débarrasser de ce macabre, ça m'inspire pas confiance. Ouais, je décide de les assommer. Un peu. C'est violent. Ah, pauvre, ils ont rien fait. Tu vois les deux, ils sont en traumatisme après. Et donc il y en a qui prend des notes. Au travail et tout. Légère lésion à l'arrière du coude gauche. Il semblerait que. Et puis l'autre prend des notes, tu les sens. Fais-moi une élimination. Double élimination. C'est dur la double élimination. Là, je suis ambidextre. En même temps. La double élimination, tu vas me faire un jet d'ATC, c'est du 20 plus. Parce que c'est des laborantins. Attaque corps à corps. Très difficile. Des laborantins très difficiles. Il y en a deux. Aïe. Non, 21. Si Nightwing n'arrive pas à se débarrasser de l'or, j'arrête de jouer. Tu t'es débarrassé des deux laborantins. Tu les as assommés, effectivement. Ficelé par deux laborantins. Les notes. Ok. Et je prélève. Enfin. J'ouvre. Ouais, donc tu ouvres, heureusement ils n'avaient pas fermé, tu prends une petite. Une petite, comment ça s'appelle, un peu pipette là. Ouais, un petit tube. Un tube. Tu prélèves un peu de ce liquide bleu, effectivement c'est très froid. Même dans les parois du tube, tu sens que ça cristallise et ça givre légèrement. Je suppose que. Quoi que. Grâce à mon ordinateur
table. Est-ce que je peux faire les analyses et les envoyer directement à Alfred? Ou faut-il lui amener? Ouais, non, vaut mieux, faut les amener. Tu peux pas le faire. Alors, je récupère la totalité. Ok. Et je décide de retourner au manoir. Retour au manoir. Donc tu repars. Batman, il a plein de merde dans sa ceinture, mais nous. Tout à fait. Que faites-vous? Non, j'ai donné. Ah, moi, je vous ai dit, le mouchoir, le mouchard. Vous aviez mis un mouchoir. Ah, c'est vrai, ça. Sur le camion, tout à fait, qu'on a oublié depuis tout à l'heure. Bah oui, bah ouais. Ah, vous avez oublié plein de choses. Il est au Kansas. Vous avez oublié trois choses. Vous oubliez même le truc à plein. Ah non, moi j'ai récupéré le chien, Roxy, il va garder. Roxy. Donc, vous avez donc, oui, le mouchard effectivement est arrivé à destination. Il est situé à Diamond District. Daily Planet. Près d'un parc. T'as dit où? Diamond District, près d'un parc. Il est pas loin. Putain, nous, en une heure, on a fait tout. Nous, en 48 heures, il a fait tout ça. Lui, il s'est peut-être arrêté depuis. Bah lui, il est parti dans son coin et il a fait sa vie. Nous, on est... Lorsque tu retournes, comme tu analyses les déplacements, tu vois qu'il est allé à Old Gotham. Mm-hmm. Ah. Qu'il est resté en arrêt longtemps à Old Gotham et après... Tu ne m'en dire plus, c'est tout, tout est lié. Tout est lié. Comment transporte-t-il les pauvres clochards? Dans des camions. Et voilà, avec les sardines. Et de Old Gotham, il est allé à Diamond District. Je vais pousser l'investigation sur ce machin fish là. Comment ça s'appelle là? Fish and chips. Mais non, c'est Flint and Chip. Flint's Fish. Je suis sûr que c'est une société écran ou une connerie comme ça. Ah, tu te parles à toi-même ou tu me parles? Non, je parle à moi-même. Ah, bon. Il se parle à moi-même. Ah, j'ai laissé le micro ouvert. Hein. Ah, t'es de retour au manoir, donc vous pouvez échanger là-dessus, tout à fait. Vous parlez tout seul? Toi, vous décidez. Alors, vous savez, ma vie est très solitaire. De faire des recherches sur Flint's Fish, quant à toi. Ouais, moi j'allais sur Gotham Corp. D'accord, Gotham Corp. Et lorsque tu vas à Gotham Corp, effectivement, tu arrives devant les locaux de cette superbe grand bâtiment entièrement dédié à Gotham Corp, bâtiment administratif, et derrière il y a tous les laboratoires. Donc aux différents niveaux, tu as bâtiment administratif, en bas tu as des représentations de tout ce qui est la cryonisation et la technologie Gotham Corp, notamment pour les sportifs, pour maintenir leur corps en forme, pour le transport d'organes, etc. Ils te montrent tous les avantages de la technologie Gotham Corp, avec des écrans, des représentations holo 3D, enfin c'est... Technologie à la pointe. 57. Donc j'arrive du coup sur... Donc tu es dans le hall de Gotham Corp. Avec une paire de jumelles. Tu es dans le hall de Gotham Corp. J'avance vers l'accueil, donc je sors ma plaque. Police de Gotham, j'aurais quelques questions à poser à un responsable de laboratoire d'expérience. Très bien, je vais voir auprès de qui dois-je vous adresser, monsieur. Vous avez un responsable. Cela dépend de quoi il s'agit très exactement. Je ne pense pas pouvoir vous faire rencontrer le dirigeant. Directement. Pas forcément un dirigeant, mais si vous avez un responsable d'expérience ou un... Très bien, je vais vous diriger vers Monsieur Clark. Monsieur Clark, un officier de police demande à vous voir. Super. Veuillez patienter. J'ai quelques minutes. Je viens te chercher. Prenez l'ascenseur. Montez au 17e. Donc tu prends l'ascenseur, ascenseur intérieur. Petite vidéo. Avec effectivement. Gotham Corp. Technologie cryogénique au service de la vie. Un vent de fraîcheur. Exactement. Donc promotionnel sur Gotham Corp avec notamment tout ce qu'ils peuvent faire en matière de biotechnologie, la cryogénisation, le mélange des. Et tu arrives à l'étage indiqué. Bureau très cossu, éclairage très agréable, indirect. Des plantes, quelque chose très zen. Et tu as attendu une autre. Là, c'est un monsieur cette fois-ci qui te met en attente. Et au bout de quelques instants, tu es reçu dans le bureau de Monsieur Clark, qui est un homme qui a les tempes grisonnantes, la cinquantaine, qui doit s'entretenir et qui affiche la réussite avec son sourire. Christopher Clark.
Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'aurais quelques questions à vous poser sur vos technologies de cryogénisation. Donc, vous auriez pu nous contacter par mail pour ce genre d'entrevue. Pas forcément. Pourquoi ces manières? Donc, je lui sors une photo. J'ai par rapport à ça. Clac. Et je lui jette une photo du cadavre là, de... Carlos Martinez. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne connais pas cette personne. Je pense effectivement que vous ne connaissez pas la personne, mais je pense que... ce qui est rempli le corps de ce personne doit vous parler. C'est-à-dire? Il est rempli d'une substance... Quand il s'allonge sur son bureau, comme ça, à la manière un peu Golden Boy, Golden Boy qui a réussi, tu vois. Il est rempli d'une substance qui remplace son sang avec des effets de cryogénisation et de froid assez particuliers. Il arrête le balancement sur sa chaise. Vous dites une substance qui... substance qui a remplacé son sang et qui a des propriétés de cryogénisation. N'est pas le genre d'expérience que nous cautionnons à Gotham Corp. Nous avons eu, il est vrai, quelques débordements il y a quelques années de cela, mais tout est rentré dans l'ordre. Et depuis, toute notre technologie et nos développements sont issus sur le développement de technologies cryogéniques en faveur du développement et de la biodiversité, notamment... Je ne remets pas ça en cause, mais ces expériences-là ont bien eu lieu dans vos locaux, un temps. Même si vous n'étiez pas forcément au courant. Vous voulez parler de Monsieur Fries? Monsieur Fries ne fait plus partie de nos équipes. Si vous voulez vous entretenir avec lui, je vous conseille de vous rapprocher des psychanalystes, autres médecins qui l'ont suivi. Mais... aujourd'hui, il n'a plus droit de citer dans cette société. Ces expériences-là, elles avaient bien un but au départ. Ils ont mis lui à contribution pour ses affaires personnelles. Mais à la base, elles avaient bien un but. Un but que poursuivait M. Fries, mais qui n'était pas le nôtre. Nous n'avons aucune connaissance de ce que menait M. Fries dans notre dos. Lorsque nous avons découvert qu'il détournait notre technologie, eh bien, nous avons fait cesser immédiatement toute relation en lui interdisant tout accès au labo. Et nous avons essayé de confisquer l'avancement de ses recherches. Tout a été remis à la police. J'ai connaissance de ça, que ça a été remis à la police, effectivement, Oui, il y a ça, des années de ça, ils avaient remis, ils avaient tout remis. Ouais. Ils ont sûrement gardé les avancées technologiques, t'as du mal à penser qu'ils se sont assis sur toutes les découvertes technologiques qu'il a faites. Hein. Je vais pas faire un petit jet là pour savoir s'il me cache quelque chose avec moi, mes connaissances peut-être de... Non mais tu sais de... comment on appelle ça là? Le flag. Non, le... quand je suis un interrogatoire quoi, je me doute que le mec il essaye de m'embobiner. Après qu'il te cache quelque chose ou pas, malheureusement... Ouais mais c'était pour... À un moment donné. Pour un petit peu. Ça va en savoir un peu plus. Si Ouais. Par contre ce que tu sens, c'est qu'il... il aura peut-être quelque chose à te confier, mais tu sens qu'il hésite à... À un moment donné, tu sens qu'il va pour prendre la parole et... Il est retenu comme par si quelque chose. Ouais, comme si ce... Si, alors, je sors ma carte. Je dis, si vous avez peut-être un moment un peu plus opportun pour me parler, vous hésitez surtout pas. Laisse mon numéro. Ah, tu vois qu'il prend ton numéro, je fais... Clarisse? Veuillez nous laisser seuls, je ne veux pas de rendez-vous. Je vais m'entretenir un moment, je vous dirai quand je peux recevoir. Eh bien, c'est entendu, monsieur. Je ne voudrais pas que cette affaire s'ébruite davantage, mais je crois savoir que vous êtes inspecteur. Cela peut être plus intéressant pour nous que d'aller directement au poste de police. Je tiens à ce que ce que je vous confie reste dans la discrétion la plus totale. Les informations que je m'apprête à vous donner risquent... pourrait mettre en péril la réputation de enseigne. J'ai un poil dans la bouche. Et je ne tiens pas à ce que... Grosse soirée. Et je ne tiens pas... Et je ne tiens pas à ce que ces informations quittent ce bureau. Nous avons été victimes de vol. Les éléments de notre labo nous ont été dérobés. Notamment quelques éléments sur lesquels... nous travaillons, et je ne vous le cache pas, était du matériel sensible.
Il me semblerait que notre convoi a été détourné. Je pense que nous avons sûrement quelqu'un de l'intérieur à divulguer des informations. Bah oui, c'est évident. Je ne vois pas comment ils auraient pu avoir accès à cette technologie. Le fait est que celle-ci est dans la nature. Nous ne voulons absolument pas que ceci soit ébruité. Donc nous sommes prêts à vous offrir la collaboration nécessaire sur cette enquête si vous m'assurez que le nom de Gotha Corp n'apparaîtra nullement dans l'enquête. Écoutez. Ni auprès des médias, bien évidemment. Avoir toute ma confiance. C'est pas... Toi, votre nom ne sera pas... ni... ni votre nom personnel, ni le nom de la société. Mais que pouvez-vous me dire de moi plus? Moi, confiant. Comment dire? Vous pouvez me dire complètement confiance. Hein, je suis pas un homme de confiance, moi. Putain, mec. Tu peux pas avoir confiance en moi? T'as confiance en qui? Que pouvez-vous me dire de plus sur cette technologie qui vous a été volée? Bien écoutez, j'ai préparé un rapport complet là-dessus par le troisième homme de la société. Il fait partie du directoire, nous sommes cinq. Je suis sûr de ces cinq personnes. D'autres, toutes peuvent être potentiellement suspectes. Je vous transmets ce dossier. Parcourez-le et revenez me voir si vous avez des questions. Contactez-moi sur ce numéro. Eh bien, je vous remercie de votre collaboration. Et nous continuerons la prochaine fois.